Yo les gars! Yo les frérots, bonjour à tous! Re pour ceux qui étaient présents ce matin, les gars, on est parti pour le deuxième live, les gars, comme annoncé. On va faire le commentary, le réac du match entre l'Olympique de Marseille et le Racing Club de Lens, les gars. Je vais épingler dans le chat. Tac, un message pour les pronos, comme d'hab, les gars. Pour que vous puissiez, faire vos pronostics d'avant-match. Hop. Et voilà. Tac, pendant 20 minutes. Donc j'espère que vous allez bien, les gars. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Il y a eu du spectacle, les gars, dans les affiches de Ligue 1. Personnellement, j'ai regardé du coup le match entre Metz et Lille. Putain, j'ai eu du mal. Entre Metz et Lille, les gars, du coup, remporté par le LOSC 2 buts à 1. Il y a eu un match impressionnant entre Rennes et Brest. Un match de dingue où Brest a été arraché la victoire 5-4 à la toute fin du match. Un match qui peut coûter très très cher dans la course à l'Euro pour le Stade Rennais. À voir ce qui va se passer ce soir. En ce moment, il y a Lyon contre Monaco. Je suis en train de le regarder en même temps, les gars. J'ai pas vu l'égalisation de Monaco, par contre. Il y avait 2-1 pour Lyon jusqu'à ce que je prépare le stream, tout ça. Déçu, un match incroyable, j'imagine. Un re Carolo, j'imagine. Parce que perdre ça comme ça sur le fil, ça doit quand même être assez décevant. Donc, tous les gars, on va se pencher sur la rencontre qui va débuter dans 25 minutes entre l'Olympique de Marseille et le Racing Club de Lens. On a déjà les compos. Vous pouvez faire vos pronos dans le chat. Comme d'habitude, je vais noter. Et on se dirige tranquillement, les gars, vers le match. Donc, les compos sont tombés. Donc match les gars très important pour la course à l'Europe. Juste pour le plaisir. Merci. Ça soulage. Juste pour le plaisir. Je suis en train de faire le SBC de Konaté. J'ai vu qu'ils ont sorti Konaté les gars. Demain sur FIFA on regardera. Après j'ai vu la carte. C'est pas... Ouais, je pense pas que je vais le... Doublé de Ben Yedder, du coup. Je pense pas que je vais le faire, les gars. Il a une carte similaire un peu au Fantasy, c'est ça? Donc, bon, je pense pas que je vais le faire, les gars. Donc, les compos, les gars, sont tombés. Donc, pour ce match, comme je le disais, très, très important, les gars, pour la course à l'Europe. C'est un match qui va coûter cher. C'est un match qui va coûter cher, les gars. Alors, attendez, je me mets en place. Tac. Tac. Match qui va coûter cher, les gars. Pour les places européennes, on va dire malheur à Marseille s'ils sont vaincus. Honnêtement, Marseille, je pense, a plus à perdre. Si Marseille ne gagne pas ce match, honnêtement, bon, attention. Voilà. Heureusement, entre guillemets, Rennes. Pour Marseille, je dis bien. Rennes n'a pas gagné. Donc, l'avantage, c'est que l'Olympique de Marseille peut repasser devant Rennes. S'il a une belle carte, mais elle est trop similaire à sa. À sa fantasy, tu vois. Mais il a une très belle carte, hein. Mais. Enfin, genre Adrien de main comme il faut, en vrai, par rapport au playstyle, etc. Mais toi, j'ai déjà une défense qui est quand même compétitive. Je verrai. Je suis pas sûr que je vais le faire, en tout cas. Du coup, si l'OM l'emporte, les gars, pareil, à voir ce que va faire l'Olympique Lyonnais, hein, qui sont en train de faire deux partout. Ça va être aussi déterminant, hein. L'analyse, elle sera pas la même du classement dans 20 minutes après le match. Mais voilà, Marseille, s'ils viennent à être vaincus, ça pourrait être un peu dommageable, quand même. Et si Lens est vaincu, bon, ils ont encore de la marge, mais je veux dire, ça resserrerait un peu le tout, quoi. On a une lutte à l'Europe, en tout cas, qui est très intéressante entre les équipes de tête. Mais ouais, entre Marseille, Rennes, Lyon, Lens, enfin, je veux dire, il y a du monde pour ces places européennes. Donc, les gars, au niveau des compositions d'équipe, le match qui va débuter à 21h à l'Orange Bleu Vélodrome, c'est ça qu'on dit? L'Orange Bleu Vélodrome, pourquoi je dis ça? Je sais pas, bah bref. Donc du coup l'Olympique de Marseille, comme d'habitude, il y a quand même des absents. Ça fait de longues semaines qu'il y a des absents. Équipe malgré tout compétitive, les gars. Comme souvent, hein, malgré tout, on va pas se mentir, les gars. Paulo Lopez, évidemment, qui sera le gardien. Donc défense à 3, les gars. Défense à 3 pour Marseille. Avec Balerdi, Gigot, Murillo. Des pistons à la personne d'Ulysse Garcia à gauche et Jonathan Clauss à droite. Milieu de terrain, Veretout, Gueye, et on va dire un trio offensif, hein, parce qu'Harit sera un cran plus haut, en règle générale, j'imagine. Harit, Ndiaye et Aubameyang, le monsieur plus, entre guillemets, de cette équipe.
cette saison pour l'Olympique de Marseille. Donc je sais pas ce que vous en pensez de la compo avec les présents, les absents. Pour moi, la compo est quand même compétitive, les gars. Il y a quand même de quoi faire, on va pas se mentir. Ce soir. J'avais pas compris, moi je veux le remplacer à la place de Varane que j'avais fait évoluer à 90 car j'ai un peu envie de changer. Personnellement, je pense qu'il sera mieux qu'un Varane par exemple. Salut Bab, 2-1 pour Marseille, j'espère que tu vas bien Bab. Salut Nolan. Bienvenue les gars, n'hésitez pas à mettre vos pronos dans le chat comme d'habitude. Je note et je fais un système de points les gars. Bab, il dit 2-1 pour Marseille. Hop, c'est noté. Moi, je verrai, je sais pas. Je pense quand même que je vois Marseille l'emporter, hein. Je vais attendre un petit peu. Comment va Nolan? Donc la composition, du coup, les gars, du Racing Club de Lens avec Brice Samba dans les cages. Alors attendez. Ouais, donc Haïdara, il va être. Ok, c'est une défense à Haïdara, il va être central du coup, les gars. Ouais, 2-1 pour Lille, j'ai regardé le match. Belle remontada entre guillemets, enfin belle remontée du score. Hein. Ils étaient menés d'un 0 après le pénalty de Mikotadze. Derrière, ils ont su bien réagir en remettant 2 buts et c'est une victoire qui est importante évidemment pour la course au podium. J'ai pas compris ce que tu dis. Oui, pour moi, Konaté sera quand même meilleur que Varane, oui, je pense. Et si t'as envie de changer, fais-le. Évidemment, ça te permettra évidemment comme de changer quoi, tout simplement. Donc du coup, Haïdara. Danso Medina, donc Danso Medina les gars, on a l'habitude, hein. Machado Frankowski en piston. El Eya, j'ai du mal à le prononcer les gars. El Alouini. El Eya, oui, je sais pas le prononcer les gars, je suis frauduleux. Nampalis Mendy, un trio Sotoka, Wai et Fulgini les gars devant. Et personnellement les gars, je m'attends quand même à un match ouvert. C'est quand même un match pour moi qui est dur à pronostiquer parce qu'on a deux équipes qui sont quand même joueuses, deux équipes qui sont pas, on va dire, en pleine bourre. Hein. C'est pas 2-1 pour Lens, je vais noter Nolan. C'est pas, ils sont pas dans leur prime, on va dire, de leur saison. C'est pas la meilleure période. Marseille a une période un peu compliquée. Lens, c'est pareil. Ils sont moins bien, quoi. Donc, c'est vraiment un match qui est dur à pronostiquer parce qu'en fait, pour moi, tout peut arriver, quoi. Donc Nolan qui nous prononce 2-1, il a dit pour Lens. Marseille-Lens. Moi je dis. Moi je dis 2-1 pour Marseille. Moi je dis 2-1 pour Marseille, les gars. Voilà. Donc, ouais, du coup, dur pour moi, les gars. Je répète, mais dur à analyser, dur à pronostiquer comme affiche. Tout est possible. Aussi bien une victoire marseillaise qu'une victoire lensoise. Et ouais, match très important, les gars. Match très important. Et on a un peu l'impression qu'à chaque tour, en fait, chaque journée, va y avoir des matchs importants pour cette course à l'Europe. Mais là, encore une fois, oui, on a plusieurs affiches. Hein, quand tu prends aujourd'hui, les gars, le match entre Rennes et Brest. Là, tu as en ce moment Lyon-Monaco. Ah, il y a une offensive d'ailleurs pour Monaco. Attention, les gars. Ouais, il y a 2-2 pour l'instant et clairement, la course à l'Europe, elle va être effrénée jusqu'au bout, les gars. Hein. Très clairement. Là, il y a Monaco qui est en train de pousser, les gars. À savoir que si Monaco ne gagne pas, le PSG est officiellement champion, les gars. Même si on le sait qu'ils seront champions, hein, que ce soit maintenant ou plus tard. Mais ouais, une non-victoire de Monaco donnerait le titre au Paris Saint-Germain bah, instantanément après le match, quoi. Voilà. Tac. Tac. Je pense qu'on va se mettre une petite prédit. Ta, 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 ta. Attends. Alors le mieux c'est peut-être. Ouais, attendez. Je vais mettre une petite prédit, les gars. Si vous êtes joueur, après, on n'est pas beaucoup pour l'instant, donc je sais pas si. Hop.
Après, on n'est pas nombreux, je vais laisser. But, les gars! Il y a un but de Monaco. Il y a un but de Monaco. Merci, Max! Merci pour le raid. J'espère que ton live s'est bien passé. J'ai vu vite fait que t'avais un bon ratio. Je sais pas, t'as fini à combien? Ah, je crois qu'il est hors jeu. Wissam, il est hors jeu, les gars. Il a mis une belle volée, hein. Merci pour le raid, Max. J'espère que tu vas bien. Yo, Kylian, 14. Dur. Parce que t'avais un putain de ratio en plus. Bon, après, GG le 14, hein, mais. Bienvenue sur la chaîne Gnocchiro la chimie. Bienvenue, hein. Je vois que c'est ton premier message parmi nous. J'espère que tu vas bien. On va faire la dédie, les gars. J'espère que. En tout cas, t'as quand même passé un bon stream et que t'as chaté dans les récompenses. Merci en tout cas. Putain, ça s'est pas mis dans mes. Frauduleux. Il y a l'assistance vidéo en cours, les gars. Hein. Ben Yedder qui a marqué un but qui est pour l'instant refusé pour hors-jeu. Moi, ça va, les gars, bienvenue. Hein. 11-0 pour 14-6. En vrai, c'est dommage le craquage. Pour avoir que les pires joueurs. Dommage. Force à toi. Merci en tout cas pour la force. Bienvenue à la commu. Bienvenue à la commu du frérot Max. Hein. Les gars, n'hésitez pas à follow. Ça fait plaisir en tout cas. Et bah restez présents les gars, restez présents si vous voulez suivre le commentaire du match qui va commencer dans un quart d'heure les gars. Vous avez le temps de mettre un prono dans le chat si vous le souhaitez les gars. C'est un petit système de points que je fais tranquillement en détente. Pour l'instant on a trois pronos les gars. Ah, y a bien hors-jeu les gars. Il y a bien hors-jeu de Wissam. Il y a bien hors-jeu. En tout cas merci hein, pour le raid. Je suis marseillais en plus, et ben c'est pour toi alors hein. Un pronostic ou pas? Que penses-tu de la compo de l'Olympique de Marseille malgré les absences? Pour moi, je pense que la compo est quand même compétitive. Vas-y, bon app, hein, Max. Bon app, frérot, merci encore. Hein. Merci pour la force. Merci pour la force. Je suis en même temps Lyon-Monaco, les gars. Hein. Tac. Ouais, 15 minutes avant le coup d'envoi, je sais pas quoi dire d'autre en vrai. Comment on peut analyser plus? En vrai, les gars, ce match est dur à. J'ai mis une prédit, les gars, si jamais quelle équipe a mené au score à la pause. Il y a personne qui a voté. Je vais peut-être l'enlever au pire. C'est vrai qu'en même temps, j'ai épinglé des trucs. C'est dur. Carolo, il dit un partout. Je vais noter. Un partout pour Carlo. On va aller taper les Lensois. J'hésite à faire Odegaard, même si au milieu j'ai Ham, Bruno, Makelele, Ginola, Kudus. Après, à toi de voir. Hein. Si Odegaard il t'intéresse, fais-toi plaisir. Hein. Clairement. Hein. Donc il y a 1000 les gars sur Marseille. N'hésitez pas à participer les gars. La prédiction en cours. Essayez de jouer le jeu, même si vous mettez une petite somme en points. On refera une prédit à la mi-temps, les frérots. Quelle équipe mène à la pause? Et puis ceux qui n'ont pas mis de prono, n'hésitez pas à mettre un petit prono, les gars. Dans le chat. Dans 13 minutes, les gars, le coup d'envoi. Il reste 10 minutes, les gars, Lyon-Monaco, hein. 10 minutes, les gars. Allez, 2000 sur Marseille. 10 points sur le nul. Ça fait plaisir. Et du coup, ouais, je vous sortirai le planning de stream, les gars, après. Je ne l'ai pas encore fait. Je sortirai après le stream. Je pense que Dortmund tape Paris en vrai de vrai. Sincèrement, ça va être dur, hein. On va sûrement le réac le match. Attendez, des retours sur la carte de Saliba car il est en train de baisser beaucoup. Pour moi, il est en train de baisser pour une seule et bonne raison, c'est Konaté. Non, deux raisons. Konaté qui est sorti ce soir et qui vient directement le concurrencer. Il y a une évolution en fait où tu peux faire Saliba. Si tu fais l'évolution, t'as quasiment Saliba Tots en fait. T'as quasiment Saliba Tots. Donc, ouais. Isaac Touré aussi.
Après, c'est pas le même championnat, mais Isaac Touré peut, entre guillemets, le concurrencer. Après, ouais, c'est pas pareil quand même. Je pense qu'un Konaté, par exemple, le concurrence directement, quoi. Et l'évolution, il s'auto-concurrence, entre guillemets, parce que tu peux le faire évoluer si t'as le Saliba 87 au club. Ça aurait été un bon match à faire un commentary, le Lyon-Monaco, n'empêche. Donc ouais, les gars, je parlais pour les prochains commentaries. Je me tâte, parce qu'en fait, vous savez que j'ai envie d'en faire un rendez-vous, entre guillemets, du dimanche. Mais ce dimanche prochain, il n'y a pas de match. Donc je pense qu'à la place, on va réac les deux matchs de Champions. Au début, je pensais en réac un seul. Mais je pense qu'il y a un monde où on se réac trois matchs lundi, mardi, mercredi pour compenser. Je sais pas, je me tâte, on verra. Je ferai le planning. Je pense que de sûr, les deux matchs de Champions, je les réac. Et peut-être que demain, je ferai le Barcelone-Valence. Parce que Barcelone, les gars, c'est mon club. C'est quand même une belle affiche. Barça-Valence. Et ça me permet de faire bah, trois matchs, quoi. Ça peut être stylé. Trois soirs de suite où on réac. En vrai de vrai. Je rappelle, les gars, à chaque fois, les réacs sont disposés. Oh là là. Fofana qui va au but, les gars. Et le but! But de Lyon, les gars! Malik Fofana qui part en contre et qui vient crucifier le gardien monégasque. Là, c'est des points importants pour Lyon, hein, si ça finit comme ça, les gars. Alors attends, c'est qui l'envoie en profondeur? Parce que les gars, je sais pas si vous regardez le match, mais il part tout seul, hein. C'est la Lacazette? Ouais, Lacazette, il lui met une. Ouais. Lacazette, il lui met une galette. La défense de Monaco, elle est bien trop haute. Et Fofana, sérénité, hein. Il arrive face au gardien. Il fait mine d'ouvrir son pied. Il le referme. Tranquillou. Super but. Super but, les gars, de. Du jeune joueur belge. Allez, 10 minutes, les gars, avant du coup le. Le coup d'envoi, il y a 2000 points les gars sur Marseille, il y a 10 points sur le match nul et il y a 1040 points sur le Racing Club de Lens. Il reste, je pense, 2-3 minutes pour l'après-midi si jamais. Donc n'hésitez pas en attendant le début du match. Bon, j'aurai de la fin du match. Et ensuite, je basculerai les gars sur l'avant-match de l'Olympique de Marseille. Eh, c'est un sacré match, hein, quand même. Quand tu prends le Rennes-Brest et celui-là, j'espère qu'on aura autant de spectacles, pardon, à 21h. Hein. Ouais, Lyon vient de marquer un but. Malik Fofana sur un contre. Super passe de Lacazette. Et Fofana, il part tout seul au milieu de terrain, quoi. Il reste 5 minutes d'ailleurs. Virgil van Dijk pourrait quitter Liverpool lors du prochain mercato d'été. En cas de départ, ce dernier aurait déjà une touche du côté de l'Allemagne, selon les informations relayées par le 32 et sur de Borussia Dortmund. Sérieux? Attends, en vrai, je le vois pas partir, genre lui, de Liverpool, je sais pas. Ça me surprend. En vrai, je le vois pas partir. Les gars, si jamais Monaco perd, c'est la première fois de la saison qu'ils perdent en ayant ouvert le score. Hein. J'ai vu qu'ils n'ont jamais perdu en ayant ouvert le score. Si le score reste là, ce serait leur première défaite, hein, cette saison en ayant ouvert le score. Encore une occasion en plus. Hein. Lacazette, il a tiré poteau, les gars. Le gardien l'a mis sur le poteau. Les gars, il doit rester une trentaine de secondes à peu près pour la prédiction. Si jamais, quelle équipe mène à la pause? Marseille, nul ou le Racing Club de Lens, les gars, il y a 2000 sur Marseille, il y a 10 sur nul. Hein. S'il y a 0-0 à la mi-temps, celui qui a mis 10 points, il est content. Ça peut se tenter, les gars, hein, si quelqu'un veut reposer là-dessus. Et il y a 1000 pour Lens. Pour l'instant, les gars, on a 4 pronos. Hein, si jamais quelqu'un veut pronostiquer. Francaise, moi, je vois bien Francaise, les gars. Je vois bien Francaise, moi, parce que pour moi, un mec comme Fonseca, c'est dur d'aller le débaucher en sachant que. Ouf. En sachant que Fonseca, ils vont avoir la Champions League avec Lille à jouer. C'est quasiment sûr.
Je pense qu'un Franck Haise, pour moi, ce serait cohérent, tu vois. Puis même pour lui, c'est logique, tu vois, de faire Lens pour aller ensuite à Marseille. À voir. À voir, à voir. Bon, l'après-midi est fini. Si vous voulez faire le prono, si vous n'avez pas encore pronostiqué, les gars, il vous reste 5 minutes avant le coup d'envoi du match, si vous voulez. Moi, je vais devoir basculer sur l'avant-match, hein, les gars. Donc, je vais peut-être louper des buts, parce que là, ça attaque. Hein. Lyon qui attaque, Cherki. Ouais, Cherki qui croque. Bacola sur le banc contre Lens. Ouais. Tac. Moi, je vais vous mettre ma petite ambiance de stade. Tranquillou. 2-1 pour Marseille. Je note. Il n'y a que du 2-1. 2-1 pour Marseille, 2-1 pour Marseille, 2-1 pour Lens, 1 partout, 2-1. Il n'y a que du 2-1, quasiment. 1 partout, Tony. Je note. Vous avez des pseudos, c'est dur à noter des fois. 95-100. Tel. Deuxième à dire un partout. En tout cas, pour l'instant, tout le monde, sur les pronos, c'est original, tout le monde voit des buts des deux côtés. Hein. Bon, je rappelle, je fais un petit système de points, les gars, tout bête. Hein. Si vous avez le bon vainqueur, c'est 2 points. Si vous avez le bon nombre de buts équipe à domicile, c'est 1 point. Le bon nombre de buts équipe à l'extérieur, c'est 1 point. Et le bon écart de but, c'est 1 point. Genre maximum, vous pouvez avoir 5 points. Bon, il reste 1 minute, les gars, je vais basculer sur l'autre match, hein, parce que ça va commencer. Je vais basculer sur l'autre match. Tant pis. Si jamais il y a du nouveau, les gars, le match entre eux, je vais le mettre sur l'autre PC là. Pour suivre en même temps. Parce que si jamais il y a un but, ça peut être important. Tac. Malgré que je suis pour l'OM. Après, c'est un match qui est dur à. C'est un match qui est dur à pronostiquer, la vérité. Puis on le ressent, on le voit bien sur vos. Sur vos pronos. C'est pas comme le Classico par exemple où tout le monde voyait le Real l'emporter quoi. En quête d'un nouvel entraîneur, l'OM rêve d'attirer Paulo Fonseca sans information parallèle, le club phocéen. Pour moi, j'y crois pas, Thiago Motta. Regarde l'ambiance au stade, c'est un truc de ouf. J'ai envie de te dire, comme souvent, comme d'habitude, au Vélodrome. Bon, on est bon. On est paré, toujours 3-2. On suit en même temps la fin de match entre Lyon, meilleur stade de France. Ils ont une couille avec le parquage là? Ils ont un huis clos? Parce que je vois un parquage, enfin je vois un virage qui est fermé. Coup d'envoi les gars dans 3 minutes. Bon match à tous, régalez-vous. Pour moi, j'espère qu'on aura du spectacle. Parce qu'on a eu du spectacle sur les deux matchs de. Bah les deux matchs juste avant, quoi. Genre, c'est les trois gros matchs de la journée, il y a eu du spectacle sur les deux premiers. Il y a quand même eu 5-4 Rennes-Brest. Et là, pour l'instant, il y a 3-2 pour Lyon contre Monaco. Donc, on espère autant de spectacles sur ce match. Et puis, je rappelle, hein, pour moi, malheur au. Si Marseille ne vient. Putain, je vais pas dire malheur au vaincu, parce que Lens, ils sont quand même placés, quoi. Mais si Marseille vient à perdre, ça peut être un match qui coûte cher, quoi. Ça peut être un match qui coûte cher. Alors attendez, au niveau de la pub, je vais vous balancer une pub maintenant, comme ça on est tranquille. Hop. Je vous balance une pub maintenant, les gars, comme ça. Dès que la pub est finie, c'est le coup d'envoi, et puis vous êtes tranquille jusqu'à la mi-temps, normalement. Tac. Là, ouais, ils nous remontent les compos, les gars. Bref. Quand ils mettent la vue en parallèle, c'est vrai que le stade il est quand même sacrément beau. Hein.
Juste dommage que le virage là-bas soit fermé. En vrai, un beau match d'avant-centre là entre Aubameyang et Eliwayi. Hein. Un beau match d'avant-centre là. Hein. Ouais, un petit coup d'envoi fictif, les gars. Ouais, puis je crois que ça va être fini, Monaco. Hein. Donc, du coup, les gars, Paris est officiellement champion, les gars. Paris est officiellement champion avec la non-victoire de Monaco. Hein. Donc, bah, félicitations à Paris. Après, genre, voilà. Quoi qu'il arrive, c'était certain qu'ils allaient être champions, de toute façon. Que ça soit ce soir ou que ça soit la semaine prochaine, on le savait. On le savait. Ah, du coup, cette victoire pour Lyon leur fait du bien au classement parce que. Carrément, ils font le tour. Mais Lyon, les gars, ils reviennent de nulle part. Ils sont quand même passés devant Rennes et Marseille, quoi. S'ils gagnent. Non, mais en vrai, c'est une folie, quoi. C'est une folie. C'est une folie, les gars, je vous le dis. Allez, coup d'envoi, les mecs, c'est parti. Vamos. Alors, est-ce que j'ai le mapping du match? Normalement, oui. Voilà. Hop. Hop. Bon match à tous, les gars. Ok. C'est clair, ils ont fait une belle remontée, ils repassent devant nous, 2 points d'avance. Puis sur la deuxième partie de saison, c'est une des meilleures équipes de Ligue 1, quoi. C'est une des meilleures équipes de Ligue 1. Allez, possession, les gars. Marseillaise avec Gigot qui va écarter sur le côté. Sur Murillo qui essaie d'allonger. Aubameyang, super prise de balle. Hein. Super prise de balle, les gars. Aubameyang qui rentre dans la surface, le centre. Et la reprise et le but. Ouverture du score. 56e seconde, les gars. C'est but d'Aubameyang, c'est pas Aubameyang qui a fait le contrôle. J'ai confondu avec Illiman Ndiaye. C'est les gars, l'Olympique de Marseille qui ouvre le score par l'intermédiaire de Pierre-Emerick Aubameyang, le meilleur buteur marseillais. 1 minute de jeu, les gars. Départ canon. Ça me fait penser au match juste avant entre Monaco et Lyon. Ben Yedder qui marque au bout de 26 secondes, les gars. Donc, super prise de balle d'Illiman Ndiaye. J'ai confondu avec Aubameyang, les gars, parce qu'il a un peu laissé pousser les cheveux. Alors là, en défense, ça se trouve, les gars. Haïdara, je sais pas ce qu'il fait. Mais Haïdara il se trouve totalement les gars. Et Aubameyang, superbe reprise. Hors de portée de Brice Samba. Putain les gars, j'ai oublié de vous mettre. Parce que regardez ce que j'ai prévu quand il y a but. J'ai quand même mis un petit overlay les gars. Goal! Voilà. Ça commence fort. Comment lancer le match les gars hein? Faut que j'y pense la prochaine fois. Si on aurait fait une prédit qui ouvre le score, on l'aurait déjà fini. Et c'est terminé du coup du côté de l'Olympique Lyonnais. GG aux amis lyonnais, les gars. Il a 27 buts cette saison, les gars, Pierre-Emerick Aubameyang. 27 buts. Il était beaucoup critiqué, à juste titre. Par moment, il était quand même pas exempt de tour proche. Mais le mec est quand même à 27 buts. Hein. Il peut franchir la barre symbolique des 30 buts cette saison, les gars, je pense assez facilement. Hein. Allez, nouvelle possession marseillaise, les gars, qui commencent fort le match. Perte de balle, récupération au milieu de terrain. Du côté de Lens, ça va sur le côté avec Frankowski, qui va décaler. Sotoka, ça essaie de remiser. C'est très très bien joué. Fulgini qui va lancer Sotoka. Le centre de. Oh, Wai qui se trouve. Ah, le centre de Sotoka est parfait, mais Eli Wai qui se trouve totalement. Je sais pas ce qu'il a fait. Je pense qu'il. En fait, là, Wai, il a anticipé que. Ouais, non, mais là, ouais, c'est chaud. En fait, Wai, les gars, sur le centre, il pense que le défenseur va la récupérer et il s'attend pas à recevoir le ballon. Sauf que manque de peau, bah, le défenseur se trouve, il a le ballon et il fait n'importe quoi avec. S'il loupe pas son contrôle, il est tout seul au point de péno, quoi, tout simplement. Donc, attention, grosse alerte, en tout cas, côté marseillaise. Murillo qui s'est littéralement troué.
Attention. Oh les gars, la première percée fut la bonne. Hein. La première percée fut la bonne. Allez, récupération marseillaise. Verretou. Pour. Voilà, la passe est contrée. Touche marseillaise. Bon, comme d'hab, c'est dommage, mais c'est le map. La map est toujours en avance un peu sur moi, mais bon, c'est pas grave, les gars. C'est pas grave. Allez, récupération lensoise. Très haut. Ça combine très très vite le débordement. C'est coupé par Samuel Gigot. Ouais, c'est un peu brouillon, ça perd le ballon. Centre de Sotoka, au point de péno, la tête! Fulgini, les gars, qui a failli égaliser là-dessus. Hein. Bon, le centre est vachement dur à reprendre, le ballon il est en cloche. Enfin, c'est pas un cadeau. C'est pas un cadeau, mais ouais, belle tête de Fulgini qui passe pas si loin que ça du poteau. Ouais, attention. Encore une alerte côté marseillaise. Allez l'OM, salut Lucas, bienvenue sur la chaîne! J'espère que tu vas bien, j'espère que tu as la forme, je te souhaite la bienvenue. Et bon début de match, gros début de match, première action, c'est but. Donc là, l'OM qui provisoirement reprend la 7ème place à l'Olympique Lyonnais, j'allais dire. Mais ouais, du coup, l'OM recollerait à 2 points de Lens. Et je vous le dis, les gars, ce match est très important. Malheur au vaincu et bonheur au vainqueur. Allez, ça ressort avec Paulo Lopez. N'hésitez pas, les gars, à follow si jamais vous aimez le contenu. React Foot et FIFA. En temps général, on fait du FIFA, mais je vais essayer d'en faire de plus en plus du React. Parce que c'est trop cool. Et puis voilà. Allez, ça relance Gigot. Avec Murillo. Qui va rejouer dans l'axe. Pour Jordan Veretout. Qui trouve la passe. Qui casse la ligne pour Pape Gay. C'est super bien joué. Le décalage est fait. Ça écarte sur Ulysse Garcia. Qui a le temps pour centrer. Il emmène à. Ah, le centre était pas mauvais. C'est dur pour reprendre, mais c'est bien joué. Allez, Amine Harit qui essaie d'éliminer, récupération de Machado qui va déborder. Ça va d'un but à l'autre, les gars. C'est un super début de match. Machado qui déborde. Ouais, la faute. Et ça peut mériter carton. Ça peut mériter carton. Je pense pas qu'il va lui mettre. Mais ouais, ça partait en contre. Hein. Il met pas carton? Là, il met pas carton, c'est parce que c'est la 5ème minute de jeu. Hein. Sinon, ce serait carton. Parce que là. Ouais, après, il le touche à peine. Après, il le touche à peine. Le Machado, il est malin, quoi. Je suis d'accord qu'il n'y ait pas carton là-dessus. C'est bien arbitré. Allez, possession lensoise. Danso, qui trouve la passe dans l'axe sur Sotoka, qui essaie de dévier en une touche. C'est récupéré par Balerdi, Veretout. En une touche pour Aubameyang. Ulysse, Aubameyang. Qui remet à Ulysse Garcia. Ça combine pas trop mal. Qui rejoue pour Aubameyang. Allez, il faut aérer, il faut changer. Ça ressort sur Gigot, qui écarte. Murillo. Qui va revenir encore avec Gigot. Lens qui essaie de presser haut, les gars, qui essaie de sortir. Il faut, de toute façon, ils ont pris un but très tôt. Ils ont pris un coup derrière la tête. Il faut vite revenir dans le match en ayant un bloc haut pour ne pas trop subir. Là, voilà, on voit bien le bloc lensois qui est très très haut. Ils sont entièrement dans le camp marseillais. C'est ce qu'il faut. Après, attention. Attention à si le pressing échoue à pas être trop exposé. C'est bien tenté, la petite déviation d'Elia, mais c'est récupéré haut du coup, côté Lensois. Allez, Sotoka qui est trouvé dans l'axe, c'est mauvais contrôle, il ressort sur eux. Attention, la glissade, ça va, il s'est rattrapé. Facundo Medina qui va trouver dans l'axe. Non, c'est pris à contre-pied. C'est une récupération pour l'Olympique de Marseille. Et on va ressortir avec Paulo Lopez. Donc, à tout le temps de relancer. Il va trouver Gigot qui relance dans l'axe. Bien joué, Jonathan Clauss qui s'est intercalé. Mais bon, mauvaise passe. Mauvaise passe. Il va continuer son pressing. Mais ça va ressortir sur Brice Samba. Le bloc marseillais qui est un peu plus passif. Bon, après, j'ai envie de dire, ils ont ouvert le score. Donc, 7ème minute. Tu mènes 1-0. Tu as fait un bon début de match. Je pense qu'ils ont raison d'attendre un petit peu Lens. De ne pas aller les chercher trop trop. Genre là, vous voyez, Danso, il a le ballon en possession, ça laisse manœuvrer, quoi, tout simplement. Allez, Sotoka, au 40 mètres, qui essaie de trouver. Ouais, non, c'est une mauvaise passe. Il a pris encore Wai à contre-pied. Hein. Allez, long ballon de Pape Gueye. Attention pour Aubameyang dans le dos de la défense. C'est un peu trop long. Brice Samba qui a bien anticipé. Qui relance sur Medina. Medina, attention, à pas s'emmêler les pinceaux. Il ressort sur Brice Samba.
qui va aérer le jeu. De l'autre côté, super. Là, on a deux gardiens qui ont un très très bon jeu au pied, les gars. C'est vachement intéressant d'ailleurs dans le football moderne d'avoir des gardiens de cette qualité-là. Quand t'as un mec comme Paulo Lopez et Brice Samba, c'est vrai que tu peux te permettre entre guillemets de ressortir avec eux. Ils ont la qualité pour aller chercher les opposés avec précision. En vrai, le but marseillais, il est bien amené, mais je trouve que Haïdara se laisse quand même vachement facilement trouver, quoi. Enfin. Et le parallèle, vous voyez, hein, tout à l'heure, Wai, il a un centre, il s'attend pas à recevoir le ballon, il fait nimp. Et là, Aubameyang, il aurait pu penser qu'Haïdara récupérait le ballon, ben non, Haïdara s'est trouvé, il a pu récupérer et marquer. Il a été vigilant, on va dire, sur le... il a anticipé l'erreur du défenseur, et c'est ce qu'il faut faire quand t'as un attaquant d'expérience. C'est ce que Wai n'a pas fait sur l'action qu'a suivi. Allez, Harit sur le côté, qui va repiquer dans l'axe. Bonne accélération, la bonne passe dans l'intervalle pour Murillo. Excellente, oui, excellente acte de Facundo Medina. J'ai cru qu'il était retombé le pied sur la tête, les gars. Ouais, très bon tacle. Il a eu, ouais, il a pris le genou dans la tête, ça va, il s'est pas plus plaint que ça. Ça sera un corner pour Jonathan Klaus. Allez, c'est beauté au deuxième poteau. La très très bonne tête. C'est Pape Gay, je crois qu'il... Oh là là, c'était dangereux, les gars. Bon, il est en position d'hors-jeu, mais c'était superbement joué, les gars. Le corner, il est beauté très très loin au deuxième poteau. Remise. Je crois que c'est Murillo. Et il y a Pape Gay qui est tout seul au deuxième poteau, mais il est hors-jeu. Hein. Bon, il arrive pas à redresser la tête. Il a même failli se taper le poteau, les gars. Je pense même qu'il a... Il se pro... Ouais, il fait pas une tête plein fer, hein. Il a vu qu'il y a le poteau, il s'est dit on va éviter de te taper le poteau quand même. Je pense que s'il n'y a pas le poteau, il met le but. Mais là, il a eu peur de se fracasser la tête. Bon, de toute façon, il était en position d'hors-jeu. Donc heureusement qu'il ne s'est pas tapé le poteau inutilement. Allez, Brice Samba qui relance. Là, Marseille, par contre, qui décide d'aller chercher haut. Mais excellent contrôle orienté de... Ah, Dalaï Naoui, c'est perdu. Il avait fait un très bon contrôle orienté pour éliminer le pressing marseillais, c'est dommage. C'est par là qu'il faut contrer des pressings, hein. Quand le bloc adverse il vient de chercher haut, il faut essayer hein, par un contrôle orienté, par un jeune triangle. Si t'arrives à casser ce pressing là derrière, tu crées ton décalage tout de suite. Hein. Et là, si sa conduite de balle elle est meilleure, il avait fait ce décalage. Allez, ça ressort. Allez, touche marseillaise. Touche marseillaise. Et Murillo qui va aller un peu courte. Récupération de Wai. Qu'est-ce qu'il a fait, Wai? Qu'est-ce qu'il a loupé? La passe de Murillo, les mecs, elle est éclatée. Paulo Lopez qui essaie de sortir, il est trop court. Wai qui dribble, il a tout son temps. Pourquoi il tire? Non, là, il n'a pas le droit de louper ça, Wai. Il a le temps, il dribble Paulo Lopez, il a tout son temps pour redresser le ballon, je comprends pas. Non, là, Wai, c'est pas possible. Il n'a pas le droit de louper ça. Il n'a pas le droit, les gars, de louper ça. Bon, allez, dégagement de Paulo Lopez. Attention, ça passe, dans le dos. Aubameyang. Parade de Brice Samba. Les gars, attention Haïdara. Je crois que c'est, ouais, c'est encore Haïdara. Hein. Haïdara, c'est compliqué là derrière. Hein. Il se trouve, ça fait deux fois. Hein. Il y a beaucoup d'occasions, les gars. 10 premières minutes, en tout cas de qualité. Parce que. Ouh, bon tacle ça. Il y a quand même deux grosses occasions côté marseillaise. T'en as une ou deux quand même très correctes là. Eliway, il doit faire mieux. Ça aurait pu coûter cher, vous voyez. Là, Wai qui élimine Paulo Lopez, qui loupe son face-à-face. Si derrière tu prends le but, t'es pas bien quoi. Ils ont quand même failli prendre le contre. Hein. Allez, possession lensoise. Bonne passe dans l'intervalle. Je pense que Balerdi va couper ça. C'est bien couvert. Il va essayer d'obtenir la touche. Ouais. Et c'est obtenu. Bien joué à lui. Allez, Pape Gay qui va allonger, qui obtient la touche. Ouais, en gros, ma map, elle est décalée de 20 secondes par rapport à ce que je vois. C'est dommage, ça. Bon, après, c'est pas grave. Allez, Illiman Ndiaye qui va lancer Aubameyang. Il pousse son ballon. Ah, c'est bon, ouais. Il tombe un peu facilement, là. Allez, on ressort côté Lensois. Facundo Medina qui allonge. Allez, à contre-temps. Machado qui fait l'appel. Mais au moment où Medina lui lance le ballon, il a arrêté son appel. Donc du coup, mésentente entre les deux. Lensois, récupération marseillaise. Là, ils vont remontrer, je pense, l'action de Wai. Hein. Wai, les gars, il doit faire mieux. Il n'a pas le droit de louper ça.
Vraiment, je comprends pas. Pourquoi il la prend pied? Genre, vraiment, c'est un truc de fou. Il élimine Paul Lopez, il est tout seul, il a tout son temps pour faire ce qu'il veut en fait. Il peut se remettre sur son pied droit, finir, centrer. Il s'est précipité. Attention, Aïdara qui se trouve. Et Brice Samba qui couvre, les gars, ça va pas là. Là, ça va pas du tout côté Aïdara. Hein. Ça fait quand même 3 fois en 13 minutes que Aïdara se trouve. Aubameyang, il a flairé le coup. Hein. Je pense que c'est une consigne de jouer les ballons sur Aïdara. Hein. C'est pas possible autrement, les gars, parce que ça soit le centre ou les deux longs ballons de Paul Lopez, à chaque fois il se trouve et à chaque fois Aubameyang, il peut partir dans le dos. Hein. Bien joué, Aubame. Non, c'était Iman Ndiaye. Il faut que je les reconnaisse au crampon. Ouais, petite faute. Danso qui joue bien le coup avec son corps. En tout cas, des grosses alertes, hein, les gars. Hein. Aubameyang, il sait. Hein. Il a compris où c'est qu'il fallait aller. Hein. Côté Aïdara. Hein. Allez, Brice Samba qui attend du mouvement. Côté Lensois, les Marseillais le laissent faire. Ils ont bien raison. Ils mènent au score. Aucune raison d'aller le presser. Hein. Il attend. Je pense qu'il va. Il va chercher à relancer, c'est très bien joué dans l'axe, pardon. Elle a Youni. Qui est obligé de revenir en arrière. Sur Aïdara. Danso qui est trouvé. Qui attend un appel dans l'intervalle. Il va trouver Mampalismendi. Qui revient avec Danso. Attention au pressing marseillais. Faut pas se trouer. Côté Lensois. La passe est pas terrible. S'en sortent bien. En une touche à Laïlaoui. Ouais, c'est à contre-temps encore une fois. Eh, récupération haute quand même, attention, faut centrer vite. Bon sauvetage de Samuel Gigot, c'est un corner pour Lensois. Pour les Lensois, pardon. T'as la. Le centre contré, enfin le dégagement contré, les gars, qui a failli amener une action de but pour les Lensois. Faut que je rate, si ma map je peux pas la décaler en vrai, ça serait bien. Allez, la tête. Non, c'est pas cadré. Non, je pense pas. C'est chiant, c'est que moi mon direct il sera bien en direct, ça serait mieux, n'empêche, mais bon. Tant pis. Tant pis. On est normal. Je rate un truc sur l'autre. Mais ouais, là, les longs ballons, en tout cas, Aïdara, faut vraiment qu'il fasse attention, les gars. On l'a dit, hein. Je l'ai dit, les gars. Paulo Lopez, excellent jeu au pied. C'est quand même 2 fois qu'il lance bien en profondeur Aubameyang, hein. Je regarde si cette map-là, elle est pas mieux. Ou si elle est pas plus. Enfin, non, elle est moins bien, mais. Je sais pas si elle est décalée. Ah non, il est moins bien celui-là. Puis je sais pas le chrono. C'est nul. Ok. Allez, Paul Lopez, les gars, qui va relancer. Est-ce qu'il va rechercher un long ballon encore, hein? Il peut. Hein? Aubameyang, à chaque fois, il se met sur Aïdara. Et c'est reparti. Et Aubameyang qui gagne son duel contre Aïdara. Mais c'est bien couvert par Frankowski. Allez, Brice Samba qui oriente. Facundo Medina qui va trouver dans l'axe Fulgini. Merci. Merci beaucoup pour le Prime. 29e mois d'abonnement. Merci beaucoup, Max. 29e mois d'abonnement, ça commence à faire, hein, n'empêche. Merci beaucoup, frérot. Merci à toi. Et GG quand même pour le 14. Hein. Malgré que t'es craqué sur la fin, GG à toi. Et merci encore pour le raid. Merci pour le Prime et le raid. Allez, récupération marseillaise. Pape Gay qui est trouvé dans l'axe. Qui va orienter. Jordan Ver... Non, non, non. Amin Harit, pardon. Qui va calmer sur Gigot. Pour Murillo. Qui revient avec Gigot. Bientôt. Ouais, 2 ans. Ouais, 2 ans et demi. Non, mais tu te rends compte, on arrive à 30 mois. C'est là qu'on se dit ça passe, bordel. Ça fait longtemps qu'on est sur Twitch. Hein. Ça fait longtemps. Merci en tout cas. Ça fait plaisir.
Ouais, j'avais compris. Allez, Paul Lopez, possession du ballon. Pour Jordan Veretout. Qui va trouver Aubameyang. Le contrôle n'est pas terrible. C'est une récupération du coup. Attention Danso à pas se mettre en difficulté. Il ressort avec Brice Samba. Qui oriente. Facundo Medina, le Marseille qui vont chercher haut, qui l'oblige du coup à lancer. Petite faute d'Eli Wahi. Alors on parlait du duel d'attaquants, les gars. En début de match, on parlait du duel d'attaquant entre Eli Wahi et Pierre-Emerick Aubameyang. Pour l'instant, il n'y a pas photo. L'expérience de Aubameyang parle. Aubameyang fait un excellent début de match là où Eli Wahi joue à contre-temps. Ça fait 18 minutes qu'il est à contre-temps sur beaucoup d'actions. Là où Aubameyang, par contre, joue très très juste. Tiens, à l'époque, tu disais jamais. C'est vrai, hein. Mais en vrai, si YouTube n'y avait pas eu la couille de monétisation, etc., qui m'ont cassé la tête. J'aurais jamais essayé. Hein. Après, pas de regret. Hein. Pas de regret maintenant. Mais en vrai, j'y serais pas venu hein, s'il n'y avait pas eu la couille. Oh, ils font chier avec leur pub. Match en direct. Soyez normaux. Je vais installer un bloqueur de pub, les gars. C'est pas possible. Ça me rend fou. Je peux pas vous afficher le score parce que ça bug. C'est de la merde. Bon, on va laisser la pub, c'est pas grave. Faut juste que je m'oriente bien. Allez, Wai qui est trop dans la surface, il arrive à ressortir. Le centre pied gauche, il est pas bon de Frankowski, c'est une bonne récupération de Balerdi. Allez, Jonathan Clauss qui monte. Veretout qui est tout seul. Il peut crocheter. Oh, il a fait un pointu. C'est bien tenté. C'est. Ah, il s'est précipité quand même. Hein. Il s'est précipité là. Il nous fait un pointu. Il y avait mieux à faire. Long ballon de Clauss. Le contrôle est pas excellent. Je pense qu'il aurait peut-être pu crocheter. Il est en bout de course. Il fait un pointu. En vrai, ça se tente. Hein, si ces petits filets opposés, on dit GG. Mais non, c'est raté quoi. J'arrive pas à le centrer comme il faut. Parce qu'en fait, à chaque fois que j'actualise, il y a une pub. Ouais, là, c'est bien. Je vais le laisser comme ça. Allez, Brice Samba qui ressort. On a dépassé la 20e minute, les gars. Toujours 1-0 pour Marseille. But de Pierre-Emerick Aubameyang à 1 minute de jeu dès le début. Et belle récupération de Pape Gay. Mais ça va revenir sur la Uni qui va trouver Frankowski. Le centre, il n'arrive pas à lever sa balle, mais c'est bien joué. Sotoka, il était en position d'hors-jeu. Super barré de Paul Lopez, mais il y avait hors-jeu de Sotoka. Le centre raté, parce que je pense que c'est. Attends, on va revoir, mais je pense que c'est un centre raté. À moins que c'est bien joué. Ça peut être bien joué. Ouais, non, c'est bien joué en vrai. Hein. Enfin, super barré de Paul Lopez, malgré qu'il y ait hors-jeu, c'était bien sorti de la part du gardien espagnol. Paul Lopez, les gars, qui est le troisième joueur à avoir touché le plus de ballons dans ce match. Quand je vous dis que dans ce football moderne, des gardiens qui ont un bon jeu au pied, on n'hésite pas à jouer avec eux. Là, il a réessayé de jouer un long ballon dans le dos de Haïdara. Malheureusement, c'est un peu trop long. Et Brice Samba s'empare du ballon. 18 ballons touchés. C'est fou quand même, hein. C'est le troisième mec qui a eu le plus de ballons dans le match, quoi. Mais comme je dis, hein, je pense que Samba, il n'est pas dans le top, mais il doit en avoir touché beaucoup. Quand tu as des gardiens de cette qualité, t'hésites pas à ressortir avec eux, quoi. Et d'ailleurs, bah Marseille s'est créé des occasions grâce au long ballon de Paul Lopez dans le dos de Haïdara, du coup. Les gardiens, mais bah il est presque libéraux hein, dans cette défense à 5. Notamment quand ils font Langa, tu vois, à chaque fois, ça joue en retrait sur lui et ça le laisse orienter, quoi. Il a un très bon jeu au pied, quoi. Je suis sûr qu'il a un meilleur pied qu'un Gigot, par exemple, tu vois. Donc, vaut mieux ressortir avec Paul Lopez qu'avec Gigot. Allez, Liway qui est sur le côté, face à Jonathan Clauss, il va travailler. Il préfère revenir en arrière. Machado qui déborde, qui centre, et c'est bien défendu par Murillo. Touche lensoise. Allez. Faut du mouvement. Pas beaucoup de mouvement pour aider Machado. Allez, il est obligé d'allonger sur la touche. Le contrôle n'est pas évident. Attention, pas la perte. Bien joué. Il a bien joué avec son corps. Bon crochet. Il va aller décaler sur le côté Frankowski. Il ressort.
La passe en une touche, Sotoka le contrôle, bien joué, Frankowski qui sauve la touche. Il ressort sur Sotoka, le centre en une touche, c'est contré, encore une fois. Aubameyang au but, qui va essayer d'obtenir, bien joué, Balerdi qui allonge. Excellente passe de Balerdi. Excellente passe de Balerdi à la Kubarsi. Et Veretout qui va retrouver dans l'axe, Aminarit. Ah, c'est perdu, ils étaient deux. Et petite faute. Il s'en sort bien, parce qu'il était en 1 contre 2, c'était pas simple. Je pense qu'il n'y avait rien de mieux à obtenir que cette faute. Mais il y a faute, hein. Il y a faute. Allez, on arrive bientôt à la 25e minute de jeu, les gars. Ça va relancer de derrière pour les Marseillais. Pape Gueye. Qui trouve Murillo. Le contrôle est bizarre. Il est obligé de revenir. Il ressort sur Paul Lopez qui va toucher. Il doit être à plus de 20 ballons maintenant, du coup. Et en plus, ouais, Lens décide de ne pas presser. Lens joue haut. Le bloc lensois est très haut. Il presse sur le défenseur, mais il presse pas sur Paul Lopez. Bon, là, il perd le ballon parce qu'il y a eu un demi-pressing, mais on laisse Paul Lopez. Bon, après, tu me diras, c'est logique. Passe décalée. Attention, Balerdi. Passe trouée. Ah, bien joué. C'est ressorti. Pape Gueye. Très bien joué pour Veretout. Et la passe est mauvaise. Je me suis mis pile où il fallait, incroyable. Machine de guerre. Allez, ça repart. Aïdara qui va revenir avec Brice Samba, qui va vite orienter. Non, il prend son temps. Il va allonger, long ballon pour Machado. Ah, c'est dur. Klose qui intercepte. Attention, faut se parler. Fulgini qui ressort sur Facundo Medina. Qui va revenir en arrière avec Brice Samba. Non, Danso. Allez, là, les blocs marseillais un peu plus bas. Il laisse beaucoup plus le ballon à Lens. Là, le bloc est vraiment médian. Genre, on laisse Lens ressortir. On laisse Lens venir dans le camp. Et ensuite, là, on presse beaucoup plus. Alors, si tu récupères le ballon, tu peux vite amener le danger, hein. Allez, Medina qui est trouvé sur le côté. C'est bien joué de la part des Lensois. Fulgini qui va percer dans l'axe. Qui est déséquilibré. Il va décaler Sotoka qui va sûrement frapper. Il se décale, la frappe est contrée. Ça part en contre, Aubameyang. 2 contre 1, les gars. Aubameyang avec Kilimane Ndiaye de l'autre côté. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va. Aïe, il a tenté. Ouais, c'est dur. C'est très très dur. Il n'avait pas d'angle. Il a tenté un exter, les gars. Une trivela pour Ndiaye. C'est quasi impossible. Il n'y avait pas d'angle pour la tenter, celle-là. À moins de s'appeler Luka Modric, c'était peu probable que ça passe. Allez, ça relance propre. Jordan Veretout. Il va trouver Ndiaye. C'est superbement joué. Les cartes. Il essaye d'allonger. C'est très bien joué. Attaque Marseille sur le côté gauche. Il va fixer. Il va temporiser. Il va attendre du soutien. C'est pas simple. Il n'y a pas trop de choix. Ils sont bien en place, les Lensois. Centre. Il y a Aubameyang de la surface. Il a quand même failli réussir à récupérer ce ballon. Il y a un petit coup dans le dos. Je pense que c'est trop léger pour siffler faute. Mais il y a un petit coup dans le dos de Aubameyang là. Hein. Il n'y a pas grand-chose, mais il a clairement été déséquilibré sur son duel. Hein. Ouais, Medina, il le bouscule un peu. Attention, c'est limite. Hein. Bon, bah, mais il l'a joué un peu à la tox, hein. Je pense qu'il a joué à la tox.
Je pense. Ouais, enfin, je dis ça, mais bon, il est encore par terre, les gars. Bon, les gars, si jamais il y a des nouveaux qui découvrent la chaîne, n'hésitez pas à follow, les gars. En règle générale, on fait du contenu FIFA. Mais on va développer ce contenu React de match, les gars, commentary un peu plus. Semaine prochaine, je pense que je vais React 3 matchs, les gars. Lundi, mardi, mercredi. On va React la Champions et on va sûrement React Barcelone-Valence. Ouais, parce que vu qu'il n'y a pas de match dimanche prochain, je vais rack les deux, je pense. Au début, j'hésitais, je voulais en choisir un des deux pour changer et pas faire comme. Voilà, la logique c'était de rack Paris. Je voulais peut-être rack Bayern Real. On va rack les deux, on est normal. Allez, c'est reparti avec Brice Samba. Fulgini, qui est trouvé? Salut Vamos, victoire de Lyon. Salut Farm Fortin, GG à vous, hein, c'était pas simple. Vous êtes mené au score, vous retournez le scénario du match, vous êtes égalisé à 2-2 et vous arrivez à arracher la win. Franchement, gros GG. Attention, c'est corner. Corner pour Lens. Et c'est une victoire qui est importante et qui vous fait du bien. C'est des points importants hein, dans la course à l'Europe et vous vous placez vraiment bien, genre c'est un truc de fou, vous allez. Attention, c'est Boateng, c'est sorti par Aubameyang, la récupération, tentative de frappe lobée. C'était voilà, il a frappé comme il pouvait Mampalis Mendy, ça a été très dangereux parce que Paul Lopez était légèrement avancé. Il a failli se faire surprendre mais bon, il a bien reculé, il l'a mise en corner, pas de risque pour le gardien espagnol. C'est bien tenté en tout cas, Mampalis. Hein. On a failli perdre en plus Bender qui marque. Oui, le but de hors-jeu, j'ai vu, je l'ai vu sur le direct. J'ai pas vu l'égalisation à deux partout, mais j'ai vu le but. J'ai vu le but hors-jeu. Il met une sacrée reprise du pied gauche d'ailleurs. Allez, nouveau corner encore, les gars. Troisième corner de suite pour les Lensois. Attention. La pression sur les buts de Paul Lopez. Benrahma, il m'a même joué petit but, hein. Petite fin de corps, tout ça. Allez, ça ressort. Allez, ça récupère haut. Côté Lensois. Mampalis Mendy qui revient. Frankowski qui va ressortir. But plus place. Ah, c'est lui qui fait la passe D en plus. Ça resserre pour le. Ah, bah ouais, là, c'est une folie. Hein. Chaque journée, il va se passer des trucs en fait. Parce qu'il y a des affrontements entre les concurrents et tout. Enfin, c'est super intéressant quoi. C'est super intéressant. Attention, pressing. Il prend des risques d'assaut, mais il s'en sort très très bien. Et il va ressortir avec El Aïlaoui. Sauf pour son effet. Ah bah oui, là, vous, c'est. C'est fini. Hein. Allez, Fugini qui va centrer. C'est bien joué. Attention, il y a une erreur défensive. Et Machado qui frappe. Il est sur son mauvais pied. Parade de Paul Lopez. T'es peut-être en. Ouais, Wai qui était en position d'enjeu. Hein. Wai qui était en position d'enjeu sur cette action. De toute façon, il n'y avait pas de danger. La frappe, elle est en bout de course, sur son mauvais pied, plein axe. L'arrêt pas très compliqué pour le gardien. Son victoire de nos figues au final contre le Barça, Ligue des Champions, victoire de Lyon contre Monaco qui nous remet bien dans le classement. C'est une bonne semaine pour vous, du coup. Hein. C'est une bonne semaine pour vous. Non, onzième, peut-être la descente aux enfers, c'est chaud. Réel, hein. Parce que vous étiez pas mal dans la course à l'Europe, hein, il y a encore peu de temps. Là, malheureusement, c'est compliqué. Allez, Samuel Gigot. Avec Veretout. Veretout qui va jouer, qui va trouver Klose dans l'axe. Ah, il a joué du tout, c'est mal joué. La passe n'est pas assurée. Et c'est récupéré par les Lensois. Oula. Medina, il revient avec Samba. On était 7ème et collé à Lille, Lens. Les jeunes qu'on recrutait à Lyon sont incroyables. Merci Textor. Bah, le mercato, il a fait du bien. Le mercato lyonnais, il est excellent. Hein. Là encore, c'est Fofana qui donne la victoire sur une passe de Lacazette.
La finition, elle est belle, hein. Franchement, il arrive face au gardien, il fait mine d'enrouler, bam, il ferme le pied, le ballon, il roule tranquillement dans le but. Non, c'est fort. Oh, attention à la prise de risque. Il y a une petite faute, il s'en sort bien. Hein. Prise de risque de Gueye là-dessus. Tente un contrôle orienté, il se fait accrocher. Il y a bien faute d'Elanaoui là. Mais il s'en sort bien. J'espère qu'on va gagner contre Paris. La finale serait beau. Hein. Moi, je vous le souhaite, la vérité, la finale. Allez, Gigot. Pour Veretout qui remet à Paulo Lopez. Long ballon de Balerdi. C'est pas simple pour Aubameyang. Ouais, super contrôle. Mais récupération de Jonathan Clauss qui tente d'éliminer. Bien défendu. De la part de Danso. Et ça ressort. Transition rapide dans Palis Mendy. Qui va trouver sur le côté. Sotoka qui décale. Ça revient sur Sotoka, sûrement un changement dès l'avenir. Non, il va plutôt temporiser dans l'axe. Allez, passe à contre-temps et c'est perdu. Récupération marseillaise. Fin de la mi-saison dernière de Ligue 1. Là, tu peux jouer l'Europe l'année pro, c'est incroyable. Clairement. C'est d'ailleurs la première fois de l'histoire, je crois, qu'après 7 journées, une équipe avec aussi peu de points se maintient. C'est un truc du genre que j'ai lu. Après, voilà, c'est vrai que sur la deuxième partie de saison, il n'y a rien à dire. Hein. Lyon est une des meilleures équipes de la saison, quoi. Enfin, sur la deuxième partie de saison, ça doit être la meilleure, je crois. Ou en tout cas, une des meilleures. Elle est bien jouée. Ça ressort propre du côté marseillais en une touche. Malgré le pressing lensois. Par contre, là, il y a un compte défavorable. La touche sera lensoise. C'est récupéré assez haut. Benrahma, c'est un prêt ou c'est un transfert? Avec option d'achat pas obligatoire. Ok, c'est la meilleure équipe avec le PSG juste derrière, il me semble. Et il y a Monaco aussi qui est très bien sur la deuxième partie. Si je dis pas de bêtises. Vu ce qu'il fait, faut le garder. Après, faut voir c'est quoi l'option quoi. Si c'est pas une somme trop élevée, hein. Voir les attentes, tu vois. Est-ce que lui, il vient pas ici pour se relancer ou autre, ça dépend, tu vois. Je crois 15 millions. C'est pas déconnant. C'est pas déconnant. Honnêtement, c'est pas déconnant du tout. Allez, la touche lensoise, faut qu'ils emballent un peu cette fin de mi-temps là, il reste 10 minutes. S'ils veulent avoir un petit espoir, parce que là pour l'instant, ouais, c'est ça a du mal. Allez, bien joué sur le côté. Frankowski, entrée de surface. Bon ballon dans le dos. Wai qui va se centrer. C'est contré ou pas? C'est contré, corner. Il y avait corner, si, si, si. Non, il touche pas. Ok, Wai avait dévissé son centre. Amine recherche un milieu à l'aise en défense pour la World Cup. Tu veux que je te donne ton nom? Vas-y, hein. Je suis allé faire les tests. Allez, corner de Fulgini, c'est ressorti. Frankowski qui décale sur le côté. Mampalis Mendy, Mampalis qui fixe. Le centre. Elle est bonne. Il y a une petite faute, je pense. Non. Ouh, la para. Oh, le poteau! Le poteau, les gars, de Sotoka. Attention, le danger se précise côté marseillais. Alors, je pense qu'il y avait une petite faute de. Je pense qu'il y avait une petite faute de Danso qui pousse légèrement dans le dos le défenseur. Après, à voir si c'est suffisant pour siffler. Mais il y a une légère poussette dans le dos pour se démarquer. La parade de Paul Lopez, elle est excellente, par contre.
Allez, Mendy qui fixe. Lance qui va pousser dans ces dernières minutes, à mon avis. Ils sont sur un temps fort, là, depuis quelques secondes. Quelques minutes, presque. Bon centre-pied gauche! Et c'est pas touché, je pense. Ce sera un 6 mètres. On va revoir l'action. Il y a un super centre. Danso, il se fait un peu de place. Je pense qu'il y a une petite faute. Par contre, la tête de Sotoka sur le poteau, les gars. La première tête de Danso, les puissantes parades de Paul Lopez. Ça revient sur Sotoka qui est excentré et ça tape le poteau. Je crois que c'est le poteau. C'est le poteau, ouais. Tête de Sotoka sur le poteau, les gars. Heureusement que Balerdi met pas la main. Hein. Ça récupère, Aubameyang qui va lancer en profondeur Jonathan Klose, la passe est bonne, excellente couverture. Et la frappe de Veretout s'est dévissée. Nouveau showdown, vamos. Putain, j'avoue que Benrahma, ça peut le rendre intéressant de fou. Ça peut le rendre intéressant de fou. Ah, il y a eu un fourbon, c'est pour ça qu'il dévisse. Elle a sauté. Partenariat. Ulule. Non seulement tu me donnes Foden, mais après tu me donnes Palmer. C'est un scandale. J'aurais juste eu Foden, c'était bon. Hein, mais non, ils m'ont donné une dinguerie derrière. C'est GGIE. GGIE. Allez, ça commence sur le côté. Récupération marseillaise. C'est perdu. Là, il a Oumi qui ressort. Ouais, la passe n'est pas très bonne. Obligé de revenir avec Brice Samba. Allez, Samba qui attend, qui trouve même pas l'Ismaïli dans l'axe. On a un décrochage de Wey qui n'est pas servi. Il était bien positionné pourtant. Haïdara qui revient avec Mampalis Mendy pour Danso. Va sûrement aller chercher Medina en bas. Il va trouver plutôt Wey dans l'axe. La remise pour Mendy. Il ressort sur Danso. La passe pied gauche bien jouée. Machado qui passe. Il est en un contre un contre Klose. Il est passé. Le grand pont. Il va rentrer. La petite faute tactique. Et là, ça sera carton. Parce que tout à l'heure, c'était, je crois, Ulysse Garcia. Non, pas Ulysse Garcia. C'était Murillo qui n'était pas assez loin du carton sur une faute similaire. Là, il est obligé de le donner. La faute tactique, parce que Machado avait bien éliminé Jonathan Klose et il allait rentrer dans la surface. Et là, voilà. Il se fait agripper par Gueye. Vraiment, la faute tactique par excellence. Il fallait ralentir cette action, c'est chose faite. Je me demande si ça m'a. Vous avez le son ou pas? Parce que j'ai l'impression que ça bug. C'est pas possible, le son du stade, il est à 22 minutes. Il devrait être à beaucoup plus. Je sais pas si vous avez le son en arrière qui bug ou qui marche. Il devrait être à 40 minutes, il est à 22 minutes, c'est pas logique. C'est pas grave. Bon, allez, le coup franc dangereux, les gars. Pour les Lensois, c'est très bien placé. Un bon petit ballon au point de péno, il peut y avoir le feu. Hein. Il peut y avoir le feu. C'est très très bien tiré. C'est boxé par Paolo Lopez. Ah, il reste 3 minutes avant le temps additionnel, les gars. Lance qui essaie de pousser, Machado. Ouais, ça ressort, c'est ralenti du coup. Mendy qui allonge. Il a glissé, la passe elle est bonne quand même. Et c'est contré. Récupération d'Harit qui ressort avec Balerdi qui dévisse son dégagement. C'est récupéré par les Lensois. Re-récupéré par Balerdi. Aubameyang qui va mettre le ballon au sol. Ça a du mal, ça a du mal. Pressing contre pressing, ça n'arrête pas, ça va être dangereux. Attention à pas la perdre. Récupération de Frankowski.
Et la touche pour Aubameyang sur le côté. Aïe, le contrôle un peu dans le dos. Il revient dans l'axe avec Amin Harit qui fixe, qui va changer. Bien joué pour Jonathan Klose. Il y a le dédoublement de Murillo. Il préfère trouver Veretout dans l'axe. Et c'est récupéré par Machado, puis par Mendy. C'était bien tiré le coup franc. Il remontre. Bien boxé par Paul Lopez. La touche marseillaise, c'est récupéré par les Lensois, la remise en retrait, Mendy, il y a un appel de Frankowski, il va lancer dans l'axe, c'est un peu trop long. Et l'anticipation de Paul Lopez, qui relance directement sur Amin Harit. On a contré au milieu de terrain contre Mendy. Il va trouver Aubameyang sur le côté, qui repique dans l'axe. Il va sûrement essayer de changer. Non, il va revenir en arrière sur Gueye. Allez, Harit qui fixe. Luis Garcia à la fin de centre. Il attend du soutien. Il va trouver Aubameyang. Le 1-2 est bon. Le centre. Et c'est contré. Corner pour Marseille. 2 minutes de temps additionnel, les gars. Il y a 9 tirs les gars côté Lensois, il y a 6 tirs côté Marseillais, 3 quadrés pour Lens, 2 pour Marseille, mais les expected goals sont supérieurs pour les Marseillais. Allez, c'est beauté, c'est bien frappé, un peu trop rentrant, c'est tranquillement capté par Samba. Allez, Sotoka qui part sur le côté. Il reste 1 minute 30 avant la mi-temps. Il va trouver dans l'axe Fulgini. Allez, le bloc Marseille est bien revenu. Et c'est perdu. Récupération de Ndiaye. Allez, long ballon dans l'axe pour Aubameyang. Attention, bien couvert par Danso. La petite faute de Gueye dans le dos. Poussette. C'est joué rapidement. Bien joué. Medina qui trouve intérieur, Fulgini, c'est bon, un très bon pressing de Murillo, Facundo Medina qui récupère malgré tout. Il n'y a pas beaucoup de mouvement autour de lui. Ouais, ça, je pense que là, ça va se finir à 1-0 à la mi-temps, les gars. Hein. Allez, Frankowski, ah, c'est pas bon, c'est pas une bonne passe. Pourtant, Wai a réussi à se battre et obtenir une faute intéressante, les gars. Sûrement le dernier ballon avant la pause, c'est bien joué parce que la passe n'est pas bonne. Mais il a réussi à passer devant Balerdi et il obtient une faute. Intéressante, un corner ouvert en gros, juste avant la pause, sûrement la dernière occasion pour les Lensois, avant la pause. Et là, Prédic qui est tout proche de passer pour l'Olympique de Marseille. Allez, ça va être frappé par Fulgini qui a un très bon pied pour ce genre de balle. Allez, c'est frappé, ça passe pas le premier poteau, c'est Aubameyang, c'est corner. Il va laisser tirer le corner. Ça se trouve, hein, quand même. Enfin non, c'est pas Aubameyang, c'est Murillo, pardon. Enfin, après, c'est pas assez bien frappé, ça doit passer le premier poteau. Enfin, tu dois passer le premier rideau, quoi. Allez, c'est frappé le corner, c'était bien frappé, ça sera là. Mi-temps les mecs, 1-0 pour l'Olympique de Marseille. Bien vu à ceux qui ont voté pour Marseille tout simplement. Quelle équipe mène à la pause? C'est l'Olympique de Marseille. Tout simplement. GG. Je vais vous balancer une petite pub pour le début de mi-temps les gars, puis on va débriefer ça ensemble. Je profite pour aller pisser un coup. Enfin, je reviens les gars, juste 2 secondes le temps de la pub, j'arrive. Et après on balancera une prédit pour la deuxième période.
Ish. On est normal, je vote si je relance une prédit, les gars. Hop. Est-ce que je peux la mettre 15 minutes ou pas? Parfait. Je balance une prédit pendant 15 minutes, les gars. Qui marque le deuxième but du match? Est-ce que personne ne marque? Est-ce que Marseille marque le deuxième but du match? Ou est-ce que Lens marque le deuxième but du match? Donc du coup, les gars, il y a un partout. Il y a un partout, qu'est-ce que j'ai? Il y a 1-0 pour Marseille, les gars, excusez-moi. Donc ouverture de score très rapide, hein, ça aurait pu présager un match un peu plus fou. Parce qu'au bout d'une minute de jeu, les gars, c'est Aubameyang qui va ouvrir le score. Bon ballon, Illiman Ndiaye qui s'emmène parfaitement le ballon dans le dos. Il va mettre un bon centre, Aïdara qui se trouve. Et Aubameyang qui en profite et qui finit comme il peut, une bonne reprise qui finit hors de portée du gardien. L'ouverture du score, elle est rapide, elle est sur la première action du match, quoi. Après, il y a eu quelques situations côté Lensois, notamment par Eli Wahi, qui a une occasion similaire, mais il s'est pas en profité, malheureusement. Il n'a pas anticipé l'erreur du défenseur, il n'a pas su reprendre, il y a eu quand même des petites situations. Après, globalement, je trouve que l'Olympique de Marseille fait un bon match. Après, Lens également, mais je trouve que, voilà, en termes d'occasion, occasion franche, je vois quand même... Ah, une légère supériorité quand même du côté de. Ah, du côté de Marseille, quoi. Après, il n'y a pas 50 000 occasions dans ce match, hein, mais voilà, la première fut la bonne. Il n'aura pas fallu longtemps, en tout cas, pour ouvrir le score. Alors après, la faille sur le début de match, elle est de Haïdara, qui plusieurs fois s'est fait prendre dans le dos. Notamment sur le but. Le centre est bon d'Ndiaye, mais il y a quand même une grossière erreur, je trouve. De la part de Haïdara, il est pris à contre-pied, il doit couper ce ballon, il se trouve, et c'est vrai qu'Aubameyang en profite. Par la suite, tu as deux longs ballons dans le dos, de très bons ballons dans le dos de Paulo Lopez, et Haïdara se trouve deux fois. Et Aubameyang arrive à se créer une action, il a failli marquer le deuxième sur ça. Donc attention, ils ont quand même rectifié le tir, hein. On a ces séquences-là de longs ballons dans le dos de Haïdara, on les a plus vus sur la deuxième période, enfin sur la deuxième période de la première mi-temps. C'est plus arrivé au début. Ça s'est un peu rééquilibré. Après, il y a des situations de côté lensoise. Moi, celle que je retiens, c'est celle d'Eli Wahi. Il y a une passe un peu molle du défenseur. Je crois que c'est Murillo qui fait une passe un peu molle à Paulo Lopez. Wahi qui sent bien le coup. Il intercepte le ballon. Il élimine Paulo Lopez. Derrière, pour moi, il doit marquer. Il doit marquer. Il se précipite, il tire au-dessus. Honnêtement, il doit marquer. Et après, il y a la très grosse occasion de Danso. Danso, les gars, sur la tête. Paul Lopez il fait un arrêt réflexe, elle est sur lui, mais il fait quand même un bel arrêt réflexe. Et ensuite, Sotoka qui la reprend sur le poteau. Il y a quand même deux énormes actions côté lensoise. Il y a le but côté marseillais, une ou deux situations. Ça reste un match équilibré, ça penche pour Marseille, que je trouve quand même pas trop mal. Je sais pas, mais le match équilibré, ça pourrait très bien pencher dans un autre sens en tout cas. Salut Resque 62, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as la forme. Bienvenue à toi, je vois que c'est ton premier message parmi nous. Bienvenue! Les gars, j'ai mis une prédit, si jamais il y en a qui veulent participer. Qui marque le deuxième but, les gars? Il y a 10 points sur Marseille, 0 sur personne et 500 points sur Lens. N'hésitez pas à participer pour le fun, les gars, des petites prédictions. Van Dijk rouge qui tombe, GG Bab. Donc ouais, pour ceux qui me découvrent, les gars, en règle générale, on fait du FIFA. 90% du temps, je fais du FIFA. Mais depuis une semaine tout pile, je commence à faire du réac. De match, les gars. C'est le troisième match que je suis en train de réac. D'ailleurs, les replays sont dispo sur la chaîne YouTube. Genre celui-là, je mettrai le replay demain sur la chaîne YouTube, par exemple. Merci pour ton follow. J'étais déjà là sur YouTube. Et ben, avec plaisir.
Merci de me suivre également sur Twitch, frérot, ça fait plaisir. Premier follow du stream, merci à toi. Merci beaucoup. Du coup, ouais, semaine pro, on va se faire trois réacs, les gars, un lundi, un mardi, un mercredi. Donc, si vous aimez le réac, soyez présents. Il y aura du FIFA, il y aura du réac pendant 3 jours, les gars. Donc, on va se la donner. Tranquillou. Allez, lance, bordel, tu es pour lance. Honnêtement, il y a eu des situations, je sais pas ce que tu penses de la mi-temps. Ils se sont fait surprendre. Honnêtement, dès le début du match, il y a une erreur de Haïdara qui a suivi, il y a eu 2-3 erreurs également. Mais c'est. Voilà. Il y a eu des situations. Moi, je. Celle de Wai, je la comprends pas quand il élimine Paulo Lopez. Il a tout son temps. Je sais pas pourquoi il s'est précipité. Malheureusement, voilà, il se précipite purement et simplement. C'est perdu. Et. Il y a une autre situation avec Danso. Ensuite, il y a la tête de Sotoka sur le poteau. Il y a la place, je pense, côté Lensois. Il va juste falloir un peu. S'améliorer, quoi. Un peu dans les derniers mouvements, entre guillemets. Ouais, Liwayi, j'en peux plus, les guests. Honnêtement, Liwayi, en début de match, justement, j'en parlais, je disais, il y a un duel, entre guillemets, entre Wai et Aubameyang. C'est un duel intéressant entre deux bons attaquants. Wai, il souffre de la comparaison. On va pas se mentir, il n'y a pas photo, quoi. Voilà. Là, en fait, si tu prends le but d'Aubameyang et l'action de Wai juste après... Aubameyang, il y a un centre. Il peut s'attendre à ce que Haïdara récupère le ballon, mais il reste focus sur le ballon. Haïdara se trouve derrière, il n'est pas surpris et il finit d'une volée magnifique. Wai, 5 minutes après, il a la même situation. Il a exactement la même situation. Il y a un centre qui vient de la droite. Il pense que le défenseur va récupérer le ballon, sauf que non, le défenseur se trouve derrière, il s'y attend pas et il perd le ballon. Alors que s'il avait fait comme Aubameyang, il serait resté concentré. Il y avait une balle de but. Et là, c'est l'expérience qui parle. L'expérience d'Aubameyang. Là où Eli Wai, évidemment, on va manquer d'expérience comparé à un joueur pareil. Donc c'est vrai que pour l'instant, le duel entre les deux grands attaquants, entre guillemets, hein, c'est comme tel pour moi, ça reste un très bon attaquant quand même malgré tout, Eli Wai. Clairement, ça penche pour Aubameyang. D'ailleurs, ça c'est un truc qu'il faut que je développe. Tu vois, faire en début de match, cibler des duels en vrai. Genre là, tu vois, un duel d'attaquant, c'est bien. Faut que je. Ça y est, là, les gars, les contenus réac, je vais les peaufiner petit à petit. J'essaye de faire des trucs. Voilà, j'ai une interface qui est quand même correcte. On fait des petits jeux de pronos en début. On fait, voilà, on essaie de faire deux prédits par match. Faut que j'essaye de trouver des idées. Mais tu vois, genre là, un duel, par exemple, c'est intéressant. De cibler un duel en début de match, bah là, le duel, pour moi, c'est Wai. C'est Wai et Aubameyang. Et clairement, Aubameyang est en train de gagner le duel, quoi. Aubameyang, c'est trop aussi, il est trop fort. Il a eu du moins bien hein, cette saison. Il a été critiqué à une période dans l'année. Même énormément critiqué, mais force est de constater que le gaillard il fait sa saison, il est à 27 buts quoi. Il est à 27 buts cette saison, je pense qu'il y a moyen qu'il franchisse les 30 buts. Hein. Il reste encore quoi 3 ou 4 journées en Ligue 1, il y a encore 2 matchs en Coupe d'Europe. Aussi bien, il va mettre plus de 30 buts sur l'année, ce qui est exceptionnel quand même. Hein. Il fait sa saison encore une fois, Aubameyang. Hein. D'ailleurs, heureusement qu'il est là. Heureusement qu'il est là. Hein. Après, attention au deuxième mi-temps, les gars. Ça, il peut encore s'en passer. Hein. Le match, pour moi, il peut pencher des deux côtés. Hein. Lens, honnêtement, Lens a eu ses situations. Il va juste falloir être un peu plus précis, pousser un peu plus aussi hein, pour en avoir plus, parce que c'est pas suffisant. Mais ça peut très bien pencher du côté de Lens, en tout cas. Pour l'instant, dans les prédits, les gars, tous ceux qui avaient prédit Marseille, on est bien. Et... On avait prédit pour l'instant un but d'écart, on est bien. Après, tout le monde avait prédit les deux équipes marquent. On verra comment ça va se passer en deuxième période, les gars. Je rebalancerai une pub avant le début de la mi-temps pour qu'on soit tranquille, les gars. Comme ça, on est tranquille normalement sur le. Ouais, sur quasiment toute la deuxième mi-temps. Je dis bien quasiment. Théoriquement. Voilà. Moi, je suis pour personne. Je suis objectif. Moi, en Ligue 1, je m'en. Voilà. Moi, je suis pour Sochaux. Donc. Voilà. Je suis pour ni l'un ni l'autre. N'hésitez pas les gars, il y a une prédit en cours hein, si jamais il reste encore 5 bonnes minutes. Quelle équipe marquera le deuxième but? N'hésitez pas à participer les gars pour le fun. Vous mettez même 10 points si vous voulez, c'est fun. Est-ce que Marseille marque le deuxième but? Est-ce que personne ne marque le deuxième but? Ou est-ce que Lens marque le deuxième but? Pour l'instant, il y a 500 sur Lens et il y a 10 sur Marseille. Donc n'hésitez pas les gars pour le fun. Vous mettez un petit coup, un petit 50 points les gars, c'est fun. Pour des matchs comme ça. Et Lens, 450 de plus, les gars. Donc pour l'instant, vous voyez Lens qui va égaliser dans ce match. Pourquoi pas, les gars?
En vrai, ils peuvent, hein. Il y a moyen. Si Hawaii, après, Hawaii d'être meilleur quand même. Franchement, moi, je revois clairement l'action qui rate, je comprends pas quoi. Vraiment. Au début de match, j'avais noté les gars que les gardiens, on a deux gardiens qui sont bons au jeu au pied. Bah là, qu'est-ce qu'ils font Amazon? Ils font un gros plan sur le jeu au pied justement de Paul Lopez. Parce que Paul Lopez a été omniprésent dans son jeu au pied sur ce match. Allez, Lens, faut au moins le match nul. Honnêtement, Marseille a gros à perdre s'ils viendraient à perdre ce match. Par contre, c'est vrai que Lens, ils sont en place, malgré, on sait jamais, tu vois. Même s'ils viennent à perdre, ils sont encore en place. Après, c'est sûr que ouais, ça leur ferait du bien d'égaliser, parce que là, s'ils viennent à perdre, ça resserre tout, quoi. Clairement, ça resserre tout. Ouais, il y a quand même 2-3 fois, là, il remonte les longs ballons de Paulo Lopez. Plusieurs fois, il a mis le danger dans la défense lensoise. Effrayant. Hop. Ça va bientôt reprendre, les gars. Est-ce que je balance la pub maintenant? Il reste combien de temps la prédit? Parce que je l'ai balancé très tôt. Je vais vous balancer la pub, les gars, incessamment sous peu. Comme ça, on est tranquille toute la deuxième mi-temps, normalement. Si on calcule. Dans l'idée, on est censé être tranquille toute la deuxième mi-temps. Peut-être en fin de match. Ça dépend. À chaque fois, j'essaye de sortir les pubs exprès. Hein. Je mets la pub avant le début du match, en début et en fin de mi-temps pour qu'on soit tranquille. N'hésitez pas, les gars, prédit en cours. Hein. 10 points sur Marseille. Pour l'instant, 950 sur Lens. Et aucun point sur personne. Voilà. Allez, je vous la balance maintenant, comme ça on est tranquille. On est normal. Les joueurs qui vont rentrer sur le terrain, j'ai lancé la pub au moment. Ah, c'est fort. Drogba, 27 buts. Et Drogba, il compare Aubameyang et Drogba. Drogba, c'était 32 buts en 2003-2004. Hein. Il a 5 buts. Ça va être dur de le rattraper, mais. Il y a moyen en vrai. Classement des meilleurs buteurs, les gars. Mbappé 26, Jonathan David 17, Alexandre Lacazette 16. Et j'ai pas eu le temps de voir. Je crois qu'il en a 14, Aubameyang, en Ligue 1. Après, il a beaucoup marqué en Coupe d'Europe. Hein. Monsieur Europa League, Aubameyang. On espère que jeudi, Iris Edivra, il marquera. Hein. J'ai eu Rice et Saliba, carte rouge, masterclass, Rex. Tu sais, j'ai eu qui, moi? 11 victoires. J'ai eu Foden, Palmer. Dinguerie. Si jamais je l'ai mis sur Twitter. N'hésitez pas à venir me follow sur Twitter, les gars. Ah, il reste quelques secondes pour la prédit. N'hésitez pas. J'espère qu'il n'y aura pas un but avant la prédit. Avant qu'elle finisse, ce serait con. Trop. Ah bah gros, j'étais comme un dingue. Hein. J'en espérais pas autant. Et Foden, c'était celui que je voulais. Et en plus, les deux rentrent. C'est incroyable, quoi. Quarante-sept minutes. Ah, il y aura sûrement une pub qui va pop avant la fin du match, malheureusement. Ça, c'est chiant. Moi, je voulais Saliba. Après, Rice, c'est quand même extraordinairement bien. Saliba aussi, mais Rice, pour moi, c'est. Oh.
Même Saliba, j'ai envie de dire. Parce qu'il y a tellement de Gabriel qui tombe quand c'est en défense. T'as de la chatte en vrai. Dans mes récompenses de chambre, j'ai eu Nkunku, Alisson. Ah, comme beaucoup. Alors moi, j'ai pas eu de Alisson qu'on pop dans mes choix. Hein. Tout le monde a eu Alisson, pas moi. J'ai Nkunku qui a pop en même temps que Palmer. Mais du coup, j'ai pris Palmer, forcément. Hein. Forcément. Allez, coup de sifflet, c'est parti, les gars. Deuxième période. Et bonne passe intérieure. Il y voyait qui a tenté. Oh, c'était très bien joué de sa part. Il a fait un contrôle orienté grand pont. Bon, un peu trop long, c'était compliqué. Mais si ça passe, c'est du génie. Hein. Je vois le choix entre Saliba et Nkunku. Bah, direct Saliba. Ah oui, non, c'est clair. C'est clair. Nkunku, il tombe pas mal dans les choix rouges. Hein. Allez, ça repart de derrière pour Kevin Danso. Aïdara. Qui revient intérieur. Ah ouais, il manque Gradit. Hein. Ça aurait été Gradit, il ne se serait pas trouvé comme ça sur les ballons de Paulo Lopez, à mon avis. Et bonne anticipation de Amine Harit, qui travaille beaucoup dans ce milieu de terrain marseillais. Allez. Gueye. Qui trouve Harit. Il va ressortir sur Murillo. Qui va rejouer pardon, sur Pape Gueye. Gigot, pour l'instant, lance et. Et pas en mode pressing, ils sont pour l'instant attentistes. Ils ont un bloc haut, mais ils sont pas en train de faire un pressing très agressif sur les Marseillais. Ça les laisse ressortir, mais par contre, mauvaise passe de Baradi, ça récupère haut. Et derrière, ça gicle, bien joué. Le genre d'une touche n'était pas évident. Mais c'est pas grave. Récupération de Haïdara, qui trouve Mendy dans l'axe. La déviation à la Youni. Bonne défense de Gigot, Amine Harit. Ça, à la perte de balle qu'ils essayent de presser rapidement. Pour essayer de rapidement récupérer le ballon. Dommage la déviation d'Aubameyang en une touche. Ça aurait pu lancer Gigot dans la profondeur carrément. Salut Alicia, comment ça va? Rhys et Palmer, j'ai pris Rhys. Ah ouais, t'avais Palmer aussi dans le choix. Et t'as eu des putains de choix toi aussi au final quand même. Hein. T'as eu un sacré choix là, parce que Rice avec Palmer, c'est stylé quand même. Hein. C'est la classe. Ah, attends. Défaite de Strasbourg, c'est ça? Si je dis pas de conneries. Moi ça va, victoire de Sochaux. Le Barça, ça joue demain, donc on verra. Je le ferai là en commentary, les gars. Soyez présents demain. Barça-Valence, belle affiche de Liga. En commentary. Après, vous êtes sauvés, non? Ou pas? Ou je dis de la merde. Vous êtes où là au classement Strasbourg? 13e, 36 points. En vrai, c'est bon. Vous risquez rien quasiment. Vous avez une. Putain, mais les gars, mais je suis à demeurer, j'ai fait tomber ma manette. Vous avez de la marge et la reprise de volée, c'est chaud dans la défense, mais ils s'en sortent, les gars. Ils ont failli prendre le deuxième. Putain, j'ai fait nimp. J'espère que je l'ai pas niqué. Non, ça va. Elle est tombée de haut, hein. Je serais mieux de la garder à proximité comme mec normal. Trop con. Non, pas encore. Ouais, mais après, je vois pas honnêtement descendre. Hein. Allez, le centre marseillais, récupération de Brice Samba. Je vois pas descendre en vrai. Putain, je l'ai fait voler sa mère. Ouais, c'est bon. J'avais oublié qu'il y avait le fil qui était branché dessus. Comme je sais pas, c'est où le mieux pour la mettre. Putain, je vais mieux la mettre ici. Moins de chance de la faire tomber. Bordel. Allez, ça ressort. Côté Lançois. En tout cas, il y a une grosse alerte. Une bonne offensive. Et une volée qui est contrée par la défense Lançois. Sinon, il y avait, à mon avis, danger. Thomas Nard, j'en peux plus. Je peux plus le voir comme arbitre chez nous, MDR. Après, sincèrement, en vrai, tous les matchs, tu vois les arbitres, tout le monde. Enfin, il y a énormément de critiques hein, sur l'arbitrage en Ligue 1 cette année. C'est une folie. En vrai, Veretout, s'il loupe pas son contrôle, putain. C'était un bon ballon. Allez, bloc bas marseillais là, et possession très haute pour les Lensois. Facundo Medina qui trouve Haïdara. Il va jouer sur Frankowski. Petit extérieur du pied, Sotoka, il se retourne. Ouais, c'est perdu, récupération quand même des Lensois. Bloc bas pour l'instant, hein. Bloc bas du côté des Marseillais. Attention, ça recule, ça recule. C'est un peu trop passif même. Fugini qui frappe. Un peu trop passif là les Marseillais sur cette action. Ils ont laissé Danso monter sans l'attaquer. Attention quand même à pas jouer avec le feu, malgré tout, malgré l'avance.
sur cette action, je trouve qu'ils ont été un peu passifs. Allez, 6 mètres pour Gigot. Ah, je suis décalé que 10 secondes. Pourquoi des fois je suis décalé de 20, des fois 10? Attention, Eliwahi dans l'espace. Voilà, conduite de bas. Gros, il fait nain. Bon, Balerdi, bien défendu, hein, mais Wahi, il a fait un poussé de balle, les gars. Bon, il a pas eu peur de tacler comme ça, par contre. Oh, c'est bien joué, mais bordel. Balerdi, ouf, il a sorti un tacle. Allez, Sotoka, sur le côté. Kiroz, Fujini, Aïdara. Là, le bloc lensois est très très haut et le bloc marseillais est très très bas. Donc, je pense que là, Marseille, clairement. Ouais, Marseille veut clairement jouer en transition rapide. Et on sait qu'ils sont capables de faire très mal justement en transition rapide. Ah, la déviation d'Aubameyang, c'est dommage. C'était bien joué. Attention, Mendy qui récupère du coup plein axe. Sotoka qui va sûrement écarter. Bien joué, Fujini. Pour Machado qui va aller sur le gauche, sûrement faire un centre. C'est contré par Jonathan Clauss. Le corner lensois. Attention, pression les gars. Petite pression des lensois. Suite à l'occasion des Marseillais. Derrière, le bloc est très bas du côté marseillais pour l'instant. On laisse manœuvrer Lens. Attention quand même. Hein. Lorient, Février et Nice aujourd'hui, j'en ai marre. Heureusement, j'étais pas au stade, sinon j'aurais encore une fois pété un câble. MDA, ça souvent. Ah, Bonal, les arbitres, c'est pareil. Des fois, qu'est-ce qu'on pète un câble? Le corner, ils étaient deux face à Paulo Lopez. Super prise de balle. Parce que là, wow, ils avaient pas suivi les défenseurs. Allez, Veretout qui fixe. Récupération d'Alaïlaoui. Et ça ressort tranquillement derrière. Attends, il y a une petite faute là. Qu'est-ce qui. Balerdi qui est au sol. Ah, Paul Lopez, pardon. Serein quand même, parce que putain, ils étaient deux. J'ai pas compris la défense. Parce qu'ils étaient quand même deux seuls. Hein. Moi qui avais une faute au départ. Ah, il y a eu un choc tête contre tête entre Aïdara et Paul Lopez sur le duel. À voir comment Marseille va gérer les efforts en deuxième, les changements aussi, parce que c'est vrai qu'il y a ce match en Europa League bah, qui arrive vite, hein, jeudi. Donc attention. J'ai été contre Lorient, le rouge de Bakao, c'est passé vraiment en phrase de moi. Pardon. C'était fou avec cet arbitre. Allez, Balerdi, la bonne relance sur Veretout. Ulysse Garcia, le long de la ligne, c'est très bien joué. Belle protection de balle, Veretout, il est passé. Ça va être récupéré. Il y a une faute. Il y a une faute au départ, c'est bien arbitré. C'est bien joué de la part de Veretout. Hein. Carton jaune. Pour qui? Ouais, Kevin Danso qui a un peu ceinturé au départ de l'action. Parce qu'en fait, Aubame, il fait une belle protection de balle et Danso le ceinture, il l'empêche de se retourner, de repartir. Et du coup, Aubame, bah, il laisse passer le ballon et Veretout qui va au bout de l'action, c'est bien joué. Et ouais, s'il pousse pas trop loin son ballon, c'est bien joué. Bon, après, il s'est laissé tomber, il n'y avait pas faute sur lui, hein, c'est un malin. Elle est pas sur lui la faute, hein, mais. Il s'est quand même fait tacler, il a continué de courir pendant 3 secondes avant de se laisser tomber. Allez, Balerdi qui ressort sur Paulo Lopez une fois encore. On arrive à la 55e minute. Ouais, là, le pressing est un peu plus agressif sur les premières relances. On laisse encore une fois Paulo Lopez manœuvrer, mais ensuite on presse de façon agressive et ça paye, c'est récupéré haut. Sotoka qui va trouver Frankowski. Là, il y a un décalage à faire. Là, il faut fixer. Bonne passe dans l'axe. Et Wai, bien défendu. Superbement défendu de la part de Murillo. Et Wai, un peu trop light. Le long ballon pour Aubameyang. Alors, au deuxième, il y a Liman Ndiaye. Est-ce qu'il va réussir à le trouver? Il centre. Eh, c'était dur. C'est bien joué de la part d'Aubameyang. C'était compliqué
C'était compliqué de faire mieux, hein. Il n'y avait qu'une solution. Aminarit arrivait, mais un peu à contre-temps. Et du coup, ça va d'un but à l'autre. Mauvaise passe de Fulgini. C'est récupéré par Paulo Lopez, les gars. Allez, Veretout. Balerdi. Toujours 1-0, les gars, pour l'Olympique de Marseille. But, on le rappelle, à la première minute de jeu de Pierre-Emerick Aubameyang, son 27e but, les gars, toute compétition confondue cette saison. Qui est un résultat plus qu'honorable, hein, clairement. Et bien joué, allez, Aubameyang. Le contrôle de la semaine. Il va essayer de trouver Jonathan Clauss. Ça s'est récupéré par la défense lensoise. Brice Samba à la relance. Allez, Frankowski, c'est une bonne passe. Bon appel aussi, forcément. Sotoka qui est trouvé. C'est bien joué. Mais très bien défendu de la part d'Ulysse Garcia. Veretout pour Harit, pour Gueye qui est trouvé dans l'axe. Qui va aérer sur le côté. Tranquillement, calmement. Jonathan Clauss qui revient avec Murillo. Paulo Lopez a touché 30 fois plus de ballons qu'Iliman Ndiaye, ils ont dit. C'est une folie quand même. Pense qu'il va falloir faire des changements côté Lensois, hein, pour enflammer un peu tout ça. Franchement, Ouahi, les gars, il fait un match. C'est dur, hein? Il se fait pocket, hein? Là encore, Balerdi lui passe devant, mais d'une facilité. En fait, il souffre physiquement sur les duels, quoi. Alors, il se cache pas, hein, il tente et tout, mais il est vraiment pas en réussite, quoi. Bon ballon. La déviation de Sotoka, c'était bien joué! Il a récupéré le ballon comme il pouvait, c'était quasi impossible d'ailleurs à redresser, mais il a quand même très très bien joué le coup. Hein. Le ballon de Fulgini, il est bon, mais il est dur à récupérer, quoi. Là, derrière, c'est Balerdi qui la touche et qui la met en corner. Allez, Fulgini pour le frapper. C'est dévié! Balerdi qui sort ça. Attention, ça peut se projeter rapidement. Jonathan Clauss, côté gauche. L'extérieur du pied pour Veretout. Putain, Veretout, il est partout. Hein. Oh, il est partout, il est passé. Il a trébuché, malheureusement. Il était en 1 contre 1 face à l'Alioune. Le rebond lui avait été profitable, mais il n'a pas réussi à en profiter derrière. C'est dommage. Allez, ça repart. Ça s'enflamme un peu. Ça va un peu d'un but à l'autre. A voir, ça va profiter à quelle équipe. Oh, mauvaise passe. Récupération, Frankowski. Ouais, Gueye, bon pressing, bon pressing. Qui oblige les joueurs de Lens à ressortir sur Brice Samba. Quand Diarra a foncé sur l'arbitre, j'ai sorti mon meilleur chef. D'ailleurs, l'arbitre aurait pu minimum se décaler pour laisser passer Diarra. J'ai pas la rêve de l'action, malheureusement. C'est aujourd'hui? Ou c'est. C'est aujourd'hui, c'est le match du jour? On arrive à l'heure de jeu, les gars. Ok. Et bien joué, le 1-2. Pais Mendy qui va essayer de trouver. Non, c'est compliqué. Il y avait Machado qui était parti. Ouais, il s'est enfermé, il s'est enfermé. C'est super bien défendu. La prise à deux côté marseillais. Pape Gueye qui va fixer. Bonne prise de balle. Il trouve Ndiaye sur le côté. Et il y a bon ballon. Aubameyang avait fait un bon appel. Il aurait presque pu essayer. Il a préféré temporiser. Bon ballon de Gueye pour Aubameyang qui va fixer. Qui va se présenter. Excellent retour de Danso. Excellent retour de Danso, les gars. À l'épaule, sans faute. C'est propre, c'est bien défendu. Très très bien joué.
C'est une bonne passe en tout cas de Gueye. Hein. Non, c'est Haïdara, pardon. C'est Haïdara qui est revenu. J'ai dit que c'était Danso, c'est Haïdara, les mecs, pardon. Ouais, blessé côté Lensois. Ils ont remontré l'action, c'est sûrement contre le duel avec Veretout, mais j'ai pas. Je pense que c'est physique. On n'a pas vu de torsion ou de coup. Il va y avoir du coaching côté Franck Haise. Franck Haise, les gars, qui sera peut-être, j'y viens peut-être, le futur entraîneur de l'Olympique de Marseille. En tout cas, il est sur la shortlist. Et moi, je trouve que ce serait cohérent de prendre ce coach-là. Je sais pas ce que vous en pensez dans le chat. Ça parle beaucoup de Paulo Fonseca, ça parle de... Voilà. Mais je trouve qu'un Paulo Fonseca, si Lille va chercher la Champions League et que Marseille n'est pas en Champions League... Je pense que Fonseca va rester à Lille. Enfin, ça va être dur d'aller chercher. Là où un Franck Haise, je pense que ce serait une suite logique, quoi. Tu pars de Lens après avoir fait des travaux exceptionnels. Tu vas à l'OM pour un projet longue durée. Moi, je valide, quoi. Allez, changement, les gars. Il y a Pereira da Costa et puis Wesley Saïd qui vont entrer en jeu. On va apporter. Ouais, il faut de toute façon du sang frais. Avec la sortie de Angelo Fulgini. Donc là, c'est Pereira da Costa Tots, hein, les gars, je vous le dis gentiment. C'est qui, Wai, qui sort? J'ai pas vu. J'ai pas vu qui est sorti. Il y a eu qu'un changement pour l'instant? Non, Wai, il est encore là, ok. Il y a Ismaïla Sarr qui va rentrer, qui, évidemment, dans le jeu de transition marseillais, peut faire du bien. On le sait. Genre de transition ultime, ça. Et carton jaune. J'ai pas vu la faute, les gars. Carton jaune pour Balerdi. Ah, il ouais, y a une semelle involontaire, totalement involontaire. Mais ouais, il y a quand même une bonne semelle sur la... Ouais, sur l'extérieur de la cheville, ça fait très mal. Le carton jaune, il est quand même logique. J'ai même pas vu qui c'est qui est sorti le deuxième. Fugini, j'ai pas vu qui d'autre. Ah puis ah oui, là oui, pardon. Ah donc c'est beaucoup plus offensif. Allez, coup franc côté Lensois, les gars. C'est botté par Da Costa. C'est bien botté. C'est loin là. C'est une bonne tête de Danso, mais il est trop loin pour mettre en danger. Paul Lopez, allez hop. Le petit coup d'épaule va par terre. Effrayant. Bon, alors, ça sert à rien de s'énerver, tranquille. Je vois pas pourquoi. En plus, il s'énerve même pas sur le fautif. Ça s'énerve sur Wai. J'ai pas compris. Oh putain, ouais, comment un match peut s'enflammer pour rien? Surtout que c'est pas Wai qui met le coup d'épaule à Paul Lopez. C'est Aïdara, je crois. Et ouais, c'est comment prendre un carton con? Je sais pas pourquoi Wai il va s'exciter alors que. Oh là. Allez, Amine Harit qui sort, les gars. Entrée de Geoffrey Kondogbia. Évidemment, profil plus défensif. Hein. On va essayer d'avoir un peu plus de maîtrise. Et la sortie d'Eliman Ndiaye avec l'entrée d'Ismaïla Sarr. Comme j'ai dit, en transition, il peut faire mal. Là, Marseille, de toute façon, va accepter de souffrir un peu plus. Va laisser le ballon Lensois, comme ils sont en train de le faire depuis le début de la deuxième mi-temps. Jouer un bloc un peu plus bas. Mais par contre, ils vont jouer en transition. Hein. Et là, avec Sarr-Aubameyang, ça va tailler devant. Et là, tu as trois milieux avec un gros volume de jeu.
Exit Harit, tu fais rentrer Kondogbia. T'as Kondogbia, Veretout et Pape Gay, il y a de quoi sécuriser ta défense avec ces trois-là. Hein. La récupération de Medina. Allez, Haïdara. Fait bizarre de voir Haïdara dans une défense à 3, axe droit, quoi. Bonne passe en tout cas. Et le bon ballon. Oh là là, c'est mal. Oh, je dis bon ballon, au final, c'est pas un bon ballon. C'est dommage parce que Wally était tout seul dans l'axe. Hein. Là, il avait été oublié par la défense olympienne. Si le ballon est bon, ah, il peut se présenter entrée de surface. Hein. Mais la passe, elle est pas bonne. Donc 56% les gars de possession de balle actuellement pour Lens. C'est logique de ce qu'on voit. Hein. Marseille accepte de subir un peu plus. C'est logique. Là, il y a une petite faute là. Il a fini dans les panneaux publicitaires. Allez, possession lensoise. Non, il rend le ballon. Oui, c'est pas ce que je me disais. Ouais, ça va être un 6 mètres pour Paul Lopez. Ah, Gigot qui a changé de coiffure. Il a enlevé la. Comment ça s'appelle la coupe qu'il avait, les gars? La coupe au mulet, voilà. Il a coupé le mulet. Il a bien fait. Allez, grand dégagement de Paul Lopez. Ouais, c'est un peu le bordel, c'est un peu le fouillis, mais Machado qui va essayer de sortir. Très bon tacle autoritaire de Klose. Attends, c'est un tacle sacrément virulent, mais. Machado qui a pris un gros tampon, mais le tacle est propre. Et la faute dans le dos là. Ouais, il y a poussette, les gars. Il y a poussette de Da Costa dans le dos de Gay. Bonne protection de balle de Gay. Hein. Il reçoit le ballon. Il met le corps en opposition. Il est obligé de faire faute, Da Costa. Alors, à voir. Est-ce que sur Machado, il y avait faute? Ça serait bien de revoir. Mais je pense pas. Le tacle avait l'air d'être propre. Mon son du stade, j'ai pas l'impression qu'il marche tout le long. J'ai l'impression qu'il bug des fois. Je suis sûr, des fois, vous avez pas le public, le son. Enfin, je sais pas. C'est bizarre. Parce qu'il avance pas beaucoup le chrono. Allez, coup franc pour Marseille. Entrée de. Ouais, aux 30 mètres, on va dire. Pour Jordan Veretout. Je vais essayer de trouver un ballon dangereux. Sûrement une remise de Kondogbia. Ouais, c'est ce qu'il va tenter. Le petit ballon, feuille morte au deuxième. Remise de Gigot du coup. La reprise, elle est. Oh là là, Samba qui l'a. Samba qui la bloque. Il avait fait un saut avant. Il a failli se faire surprendre en vrai. Hein. C'était une bonne reprise de Sarr. C'est compliqué de faire mieux. Il l'a un peu topé par terre, mais c'est bien joué en vrai. Hein. Et ça ressort. Mendy qui perce. Le bloc marseillais qui est beaucoup plus compact. Sotoka, oui, bon tac, mais un peu trop, c'est dangereux quand même. Hein. Il prend le ballon, mais il y a quand même une cisaille sur la jambe de Sotoka. Le geste est quand même dangereux. C'est en train de se tendre un peu, les gars. Parce que, ouais, là, il était obligé de siffler faute. Hein. Ce qui fait quand même, il met quand même une sacrée béquille dans le mollet. Hein. Oh, le centre est bon. Jonathan Clauss qui se trouve. Attention. La reprise au deuxième, mais ce sera corner, les gars. Ça sera corner pour Lens, attention, Marseille qui. Un peu en danger là-dessus. Là, il. Le corner. Le coup franc joué vite. Et là, Klose, il a. Klose, il a un peu loupé son dégagement. Ça a tapé ses deux jambes, il s'en sort bien. Paul Lopez qui parle, qui. Ouais, ils sont pas très bien entendus avec Murillo.
Allez, corner encore une fois. Et ça passe jamais le premier poteau, les gars. Ça passe jamais le premier poteau. Alors, est-ce que c'est volontaire de toujours les jouer au premier poteau? Mais c'est un peu dommage quand même. Si t'arrives pas à passer le premier rideau, c'est compliqué. Oh là là! Oh, le déséquilibre là, Facundo, il est retombé. Ouais, ça va, il a rien, mais il est retombé lourdement. La bascule, les gars, il aurait pu se faire très très mal. C'est fou qu'il n'y ait pas sifflé faute là-dessus. Il y a eu quand même une grosse bascule. Ouais, bon. Il reste 20 minutes, les gars, c'est haché, il y a beaucoup de fautes. Lens prend le dessus petit à petit. C'est pas non plus, voilà, il n'y a pas des occasions. Il n'y a pas énormément d'occasions, hein. Il n'y a pas une pluie d'occasions, mais bon. Et Murillo qui va céder sa place. Ça sera Onana qui va rentrer. Et ouais, mon son il s'arrête. Prochaine fois, il faudra que je la mette autrement. Allez, c'est reparti. Remise en jeu pour Ulysse Garcia. Ouais, c'est perdu. Mauvaise tête de Ismail Assar. Allez, Medina, à la construction de cette action. Pour Machado. Da Costa qui aère le jeu pour Aïdara. Aïdara, long ballon, elle est bien donnée pour Eliwai. C'est dur, c'est dur. Il tente un geste compliqué, les gars, la volée en une touche. Le ballon, il vient de derrière, il est haut. S'il marque, c'est un but génial, mais c'est très très dur. Hein. La passe est bonne, mais en une touche, c'est très très dur. Est-ce qu'il prend la bonne décision? Je pense qu'il peut essayer de la contrôler. Hein. Je pense qu'il peut essayer de la contrôler parce que il a de l'avance et tout, il aurait eu meilleur temps, je pense. Kondogbia, il est un peu en retard en plus. C'est dur de tenter une volée comme ça. Hein. Bon, dans le duel Eliwai-Aubameyang, on voit moins Aubameyang là depuis quelques minutes, forcément, vu que Marseille accepte de subir. Après, Eliwai n'est clairement pas en réussite sur ce match. Hein. Ah, faut que Lens aille chercher un peu plus haut là. Hein. Marseille joue tranquillement derrière. Faut monter le bloc. Voilà, comme ça tu les obliges à allonger. Touche marseillaise malgré tout. Faut les forcer à allonger. Hein. Il reste 20 minutes à peu près. Ils n'ont pas trop le choix, hein. Il faut essayer de tenter quelque chose, quoi. Allez, longue touche de Gigot pour Sarr. C'est perdu. La relance de Brice Samba. Allez, Da Costa. Da Costa, long ballon encore une fois. Il est bon ce ballon. Oh, le contrôle et l'arrêt de Paulo Lopez. Bonne défense en vrai quand même de Balerdi. Il a bien gêné Sotoka sans faire faute. C'était pas évident. Le ballon, il est précis. Il a presque réussi à contrôler. Ouais, Balerdi le gêne bien comme il faut, je pense. Hein. Mais ouais, le contrôle est quand même pas facile. Si là, il arrive à anesthésier le ballon et à finir derrière, c'est du génie. Hein. Bah, attention, il y a plusieurs longs ballons qui sont bien dosés côté Lensois et ça amène le danger. Oh, c'était bien tenté la talonnade, malheureusement. Ça n'a pas suivi côté Machado. Jonathan Clauss, Machado qui récupère. Le contrôle, pas évident. Il est encore en possession de la balle, ça ressort. Le centre Lensois, Kondogbia qui sauve. Sarr qui contrôle, bonne prise de balle et il obtient la faute. Intelligemment.
Ouais, là, on sent que Marseille va souffrir sur ce dernier quart d'heure, mais ils acceptent cette souffrance. Hein, c'est la logique des choses par rapport au changement qu'ils ont fait. Et après, ils arrivent à bien casser le rythme à chaque fois, hein, en obtenant des fautes. Donc, c'est bien. Pour l'instant, c'est le temps file et c'est tout bénef pour eux. Alors, sortie, changement, les gars. Il y a Eliway qui sort. Andy Diouf, les gars. Andy Diouf, très bon joueur, hein, que j'ai pu voir à Bonal avec l'équipe de France Espoir, qui a mis un très bon but d'ailleurs. Et la sortie de Machado, l'entrée de Sichouba. Allez, Klose Kadushan, le centre est bon. Ismaïla Sarr, le contrôle excellent. Ah, il a fait main sur ça. Le contrôle était excellent. C'est dommage qu'il n'ait pas pu enchaîner. Il fait un super contrôle. Ah, la relance, elle est ratée de Samba. Mal joué. Sarr fait un super contrôle, les gars. Allez, Aubameyang qui trouve Garcia, bien joué. Débordement. Il n'y a que Ismaïla Sarr dans la surface, je pense qu'il va temporiser. Aubameyang quand même qui arrive dans un second temps. Le centre en cloche, Jonathan Clauss, centré surface, qui tente une volée. Ouais, c'est impossible. Vu les appuis qu'il avait, c'était impossible. Allez, la relance rapide de Samba. Da Costa qui fixe. Il faut qu'ils enflamment un peu plus le match, hein. C'est pas assez pour l'instant. Aïdara, bon centre d'Aïdara, la tête et le but! Égalisation lensoise! Égalisation lensoise, les gars! Wesley Saïd qui rentre, qui marque, les gars! Premier ballon qu'il a eu dans cette position axiale et il va égaliser. Il va égaliser les gars pour les Lensois et l'après-dit qui passe pour ceux qui ont misé Lens les gars qui marquera le deuxième but. Et ben c'est Lens. C'est un goal les gars. Très 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 belle tête décroisée les gars, c'est quasiment imparable. Elle est petit filet, elle vient se loger les gars. Paul Lopez il peut rien. C'est un superbe but. Le centre est excellent. Bah, les changements tactiques ont payé, hein. Là, concrètement, les changements tactiques ont payé, hein. On a Aïdara, les gars, qui est repassé côté gauche. Il est sur son pied gauche pour amener ce centre qui est excellent. Et Wesley Saïd qui vient de prendre l'axe, hein, parce que Eliway vient de sortir. Eliway vient de sortir. Wesley Saïd prend l'axe. Premier ballon qu'il a à gérer. Il te met une tête petit filet. Chapeau. Chapeau le coaching de Franck Haise. Ça va être une fin de match bouillante. Salut Kix, comment il va? La forme? Toi, tu dois être heureux, toi. Un millionnaire, là. Franck Haise. Là, il a fait un coaching gagnant. Allez, sortie de Jonathan Clauss et l'entrée de Luis Enrique. Et là, les changements un peu plus défensifs des Marseillais. Attention, je pense que là, Lens va pousser fort. J'ai regardé un peu le match en plus, franchement, GG. Et puis, allez la chercher la win à la fin. Déjà, retourner le score hein, quand vous êtes mené au bout de 20 secondes, c'est déjà fort. Hein. Parce que j'ai vu que c'était la première fois cette saison que Monaco perdait après avoir ouvert le score. Juste Marseille qui se fait rattraper, je suis content, et encore plus pour le classement. Bah là, match nul, je pense que ça vous arrange. Hein. Marseille revient pas, et puis Lens, il s'éloigne pas, quoi. Il reste un gros quart d'heure, les gars, ça va être bouillant. On va voir si Marseille va tenter plus. Mais en vrai, chez coaching, les gars. Les gars, Aïdara, c'était son premier ballon à gauche. Hein. Il t'a mis un centre, parfait. Wesley Saïd, c'était son premier ballon dans l'axe. Il finit super bien. Parce que les gars, on l'avait dit avant match, hein, le duel entre Eliwahi et Aubameyang, il a clairement penché pour Aubameyang. Hein. Il n'y a pas photo. Au-delà du but, Eliwahi n'a pas été bon du tout, quoi. Il a même beaucoup croqué. Si ça reste comme ça, ils sont que à 3 points de nous, faut pas qu'ils gagnent. Est-ce que ça va finir un partout? Je sais pas. La vérité, je pense que là, Lens vont vraiment pousser pour aller chercher. Ils sont dans un temps fort. On l'a dit, hein, Marseille accepte la domination depuis une grosse vingtaine de minutes, on va dire, depuis un gros quart d'heure. Et là, attention, du coup, hein, avec les changements un peu plus défensifs, Lens a une carte à jouer. Après, hein, en transition, on sait très bien que ça peut faire mal avec Ismaïla Sarr.
Mais ouais, la fin de match est très très indécise en tout cas. Alors là, dans les votes, les gars, il y en avait qui avaient voté un partout, hein. Ceux qui avaient voté un partout, Carolo et Tony, vous êtes bien, hein. Allez, l'entrée. Enfin, le changement, pardon, la sortie de Mampalis. Mendy, super joueur, les gars. Lui, à l'époque, à Nice. J'adorais ce joueur. Quand il était avec Jean de Seri, Vincent Cosiello. Attends, je dis ça, mais il est sorti? Oui. Oui, il est sorti. Oui, la perte de balle, attention, la projection d'Onana. Bon, après, là, c'est. Voilà, il y a Aubameyang dans l'axe, c'est pas évident. Il va quand même le trouver. Pied gauche, crochet, CR7 chope, il revient. Ah, c'était dur. C'était dur, il y avait un seul appel à côté de lui, c'était Ismaïla Sarr. C'est bien défendu en bloc de la part des Lensois. Il a quand même bien réussi à s'en sortir, Aubameyang. Hein. Il a su bonifier ce ballon qui était pas simple parce que là, il est quand même tout seul contre l'attaque. Il était hors-jeu. Le ballon est donné un peu tard, il était en position d'hors-jeu, mais bon, c'était bien tenté de sa part en tout cas. Même si la passe, elle est ratée. Ah, c'était dur. Hein. C'est donné un peu à contre-temps. Onana doit le lancer un peu plus tôt. Ou il doit se servir de l'appel pour frapper. Allez, ça ressort. Andy Diouf. Ah, je pense que là, Marseille. Est-ce que Marseille va être capable d'aller chercher plus que le point du match nul? Je sais pas, les gars. C'est les transitions. Récupération, ils vont essayer. Hein. Transition rapide, les gars. Ouais, à contre un, les 2 contre 2, les gars. Ismaïla Sarr, appel croisé de Aubameyang. Sarr qui en profite, il va fixer la défense. Il va frapper pied droit. Ouais, c'est cadeau, c'est à la niche, comme on dit. C'est bien joué. Il s'est servi de l'appel de Aubameyang pour aller. Mais là, il a trop montré son geste. C'est trop facile pour Samba. Mais c'est bien joué, c'est bien joué. Hein. Aubameyang, il fait un très bon appel. Ça permet à Sarr de fixer. Mais bon, ça s'est vu à 2 km qu'il allait faire un plat du pied comme ça. Et malheureusement, c'est mal réalisé. C'est sur ces actions-là où ils peuvent faire quelque chose. Transition rapide. Allez, Kondogbia à la relance qui va décaler Balerdi. Qui rejoue avec Kondogbia. Qui rejoue avec Balerdi. Il n'y a pas beaucoup de mouvements. Qui rejoue avec Kondogbia. Qui ressort sur Paulo Lopez. C'est ouf. Ah, c'est bénef hein, pour l'OL. Hein. L'OL, les gars, qui a 3 points de lance. Et l'OM qui repasse devant Rennes, du coup. Rennes qui est 9e. Hein. Rennes, les gars, à la défaite de Rennes, elle va coûter cher. Hein. Allez, long ballon, ça passe. Ouais, bien défendu, bon retour d'Aïdara. C'est un corner pour l'Olympique de Marseille. Allez, 10 grosses minutes, les gars, 10 grosses minutes. Medina et Balerdi qui s'embrassent entre Argentins. C'est des oufs. C'est vraiment des oufs en vrai. Les gars, ils se bousculent puis s'embrassent. Gigot a pas aimé, il a poussé Medina. Genre, vas-y, casse-toi. Il rigole pas, Balerdi. Ah, c'était. Entre Argentins, putain, c'est des ouf, les gars, je vous jure. Allez, corner de Veretout. Il y a du monde, hein, ils sont tous dans les 6 mètres. Hein. Ah, il y a faute. C'est presque. Quand tu mets du monde comme ça dans les 6 mètres, il faut la mettre fort dans les 6 mètres. Putain, si tu mets un ballon fort dans les 6 mètres, il peut se passer tout et n'importe quoi. Et là, il a joué au deuxième, et bon, il y a une faute. C'est. Ouais, dommage. Allez, ça va ressortir. Au sol. Aïdara. Attention, pressing dans l'axe. Faut pas se tromper côté Lensois. Ouais, oui, faut pas se tromper. Récupération haute. Aubameyang qui chique. Pape Gay, il a fait. C'est frappé, c'est but. C'est magnifique. C'est le but marseillais, les gars. Magnifique la récupération haute. Il fallait pas se trouer côté Lensois. Et ils se sont troués, les gars. Ils ont fait une grossière erreur au niveau de la relance. Pape Gay qui jaillit. Ça joue simple. Et la fin de frappe, elle est parfaite. Et la frappe, elle est tout aussi parfaite, les gars. Petit filet, 2 buts à 1 pour Marseille à 5 minutes de la fin.
Et ce but, il est important. Je l'aurais pas vu venir, les gars. Mais là, grossière erreur. Tu joues ton 6 mètres. Haïdara, la relance dans l'axe. Elle est cataclysmique. Le 1 entre Aubameyang et Pape Gueye. Superbement joué. Et la frappe. Petit filet. C'est magnifique. Ce que fait Pape Gueye, les gars, c'est un geste de classe. Hein. C'est lui qui va récupérer le ballon. Il joue le 1-2 avec Aubameyang. Bien joué de la part de Aubameyang. Mais là, sur le contrôle, il va faire une feinte de corps pour éliminer le défenseur. Et la finition, elle est chirurgicale. Bien joué de la part des Marseillais. Et là, dans les pronos, on est beaucoup à être bon. On est beaucoup à être bon. Le 2-1 pour Marseille, on est beaucoup à l'avoir pronostiqué. Mais attention, c'est pas fini, les gars. Et là, c'est quand même. Lens était dans un temps fort depuis maintenant plus de 20 minutes. Il donne un but. Hein. Clairement, ils ont donné le but. Hein. C'est. Haïdara, les gars, fautif sur les deux buts. Hein. Haïdara, fautif sur les deux buts. Il est. Fautif sur le premier, il se trouve sur le centre. Et là, sur le deuxième, il n'a pas le droit. Il a quand même un bon pied gauche. Il n'a pas le droit de faire cette relance dans l'axe. Pas Bieg qui a bien jailli. Non, il a pas le droit. Il n'a pas le droit. Allez, fin de match, à mon avis, qui risque d'être bouillante, les gars. Medina. Allez, ça repart côté Lensois, qui vont essayer de mettre du rythme. C'est bien joué. Il va fixer la frappe enveloppée. C'est en 6 mètres. Ah, la relance, elle n'est pas bonne. Il doit allonger. Il doit allonger. Haïdara. Je pense qu'il y aura beaucoup de temps additionnel, hein, les gars. La deuxième mi-temps, elle a été quand même très hachée. Il y a eu beaucoup de fautes. Il y a eu beaucoup de gains de temps. Je pense que. On aura sûrement pas mal de temps additionnel. Ouais, et puis malheureusement, je pourrais pas éviter. Il y aura sûrement une pub. Quoique, peut-être pas. Ça dépendra le temps additionnel. Peut-être que je pourrais éviter la pub avant la fin du match. Ouais, récupération de Gueye. Allez, Medina, ça repart. Avec Kevin Danso, qui écarte sur Haïdara, qui va jouer dans l'axe, Lorient Sotoka, Aguilar, le 1-2, c'est trop long, c'est mal donné, c'est mal dosé. Mauvais ballon. Ah, et la touche, il gagne beaucoup de temps sur chaque touche en vrai. Après, c'est le jeu, hein. Smaïla Sarr qui perd le ballon. Ouais, agressivité au milieu de terrain, attention. La frappe. Ah, non, c'est une frappe quand même un peu inespérée. Il est en bout de course, pied gauche. C'est très compliqué d'aller chercher l'angle opposé là-dessus. Hein. Yo le crack de fut! Comment il va le crack de fut, la forme? Allez, long ballon. De Paulo Lopez. La forme? Allez, ça fixe, ça fixe, ça fixe. Allez, bonne récupération, très bonne anticipation d'Onana. Je crois que c'est Onana. Et ça sera là tout. Sochaux, ils sont. Non, non, on est en national malheureusement. On va essayer de jouer la montée l'année prochaine, mais là, c'est national. Belle victoire de l'OL, ouais, très belle victoire. Et victoire très, très importante surtout. Ils sont quand même ex aequo avec l'Olympique de Marseille. Ça va être, les gars, ça va être le feu. Là, la victoire de Marseille, elle resserre tout. La victoire de Lyon et la victoire de Marseille, ça resserre tout. Si Rennes avait gagné, ça aurait encore plus tout resserré. C'est une folie, hein. La fin de saison pour la course à l'Europe, elle va être très très disputée. Hein. Là, les deux scores, en tout cas, la victoire de Lyon et de l'OM, resserrent absolument tout. Et bah, tout est encore possible, quoi. Tout est encore possible.
J'attends de voir le temps additionnel, les gars, pour voir si je vais pouvoir vous éviter une pub avant la fin du match. J'espère qu'ils ont égalisé, c'est sympa. 6 minutes, je vais pas pouvoir éviter. Ah, si, peut-être. Peut-être. Théoriquement, si. J'espère qu'il n'y aura pas la pub qui va pop avant la fin. Allez, 6 minutes de temps additionnel, les gars, c'est logique. Récupération de Marseille. Nana qui va trouver dans l'axe, très bonne passe. Ismaïla Sarr, c'est très bien joué. Gueye qui lance Aubameyang. Est-ce qu'il va aller au bout? Est-ce qu'il va temporiser? Ah, je pense qu'il va tempo. Ah, il va quand même fixer. Non, non, il fixe, les gars. Le ballon dans la surface. C'est récupéré. C'est sauvé par la défense lensoise. Et le temps qui coule. Il temporise trop, les gars. En vrai, il gagne trop de temps. Il va laisser plus de temps, je pense. Il y a quand même 1 minute à chaque fois. Ah, il la retouche, Garcia, je crois. Ouais. Sortie de but pour Brice Samba. Allez. 4 minutes 30, les gars, dans le temps additionnel. Aïdara. Qui se remet sur son gauche, qui va allonger. Frankowski pour Facundo Medina. Ah, il faut mettre le ballon dans la surface là. Il faut mettre du danger rapidement. Allez, Danso. Aïdara. Passe dans l'intervalle. Sotoka. Aguilar, c'est bien joué. Andy Diouf qui va frapper, j'imagine. C'est écrasé. C'est écrasé, c'est bien joué de la part d'Andy Diouf. Il doit frapper dans cette position, malheureusement. La frappe, elle est complètement écrasée. Ouais, il aurait peut-être pu avancer encore un peu. Hein. Il frappe peut-être un peu trop tôt. Allez, ça va bientôt être fini, les gars. Je vois pas Lens revenir là. C'est Marseille est bien en place. Ils arrivent plus à enflammer le match. Lens a été supérieur pendant quand même plus de 20 minutes. Hein, ils ont avant l'égalisation. Et c'est vrai que je pensais qu'ils continueraient à pousser. Je voyais vraiment pas Marseille aller le mettre ce but. Mais au final, ils ont réussi hein, sur une perte de balle grossière. Allez, Haïdara, qui repique du pied gauche. Faut aller chercher l'autre côté. Il y a du monde. Danso. Penax pour Tacosta, il faut décaler côté gauche, Facundo Medina qui va fixer, il écarte sur le côté, il y a du monde dans la surface, il faut emmener le ballon dans la boîte. Il tricote, c'est bien joué, il va rentrer à la surface. Là, c'est contré, corner. Corner les gars pour Lens. Attention, c'était une très très belle situation. Très bon tacle, Pape Gueye les gars, exceptionnel le tacle. Et le corner, les gars. Une des dernières situations dangereuses pour les Lensois. C'est maintenant. C'est frappé. Ça. Aubameyang qui dévisse, les gars. Re-corner. Ça passe rarement le premier poteau, quand même. Là, il n'y a aucun Lensois dans la zone du corner. C'est quand même un peu. C'est quand même un peu bazardé, quoi. C'est joué à deux. C'est tellement mal joué. T'es dans le temps additionnel. Tu dois botter le corner. Tu peux pas le jouer à deux comme ça. C'est cadeau. C'est pas possible. C'est cadeau. Ils ont joué le corner à deux. Derrière, la passe est mauvaise. 6 mètres. Et là, bah, tu laisses s'écouler 1 minute. C'est quand même très très mal joué. Hein. Ah, Lens a un peu déjoué. Hein. Ils ont été supérieurs sur la deuxième mi-temps. Dans l'ensemble, Lens sur la deuxième mérite mieux. Mais non, ils ont pas su concrétiser leur temps fort et en fait ils ont pris un but dans un temps fort quoi. Ça c'est pas bon. Mauvaise gestion quoi. Tu prends un but qui est évitable dans un temps fort et derrière c'est compliqué quoi. Et Marseille a très bien géré son temps faible pour le coup.
en ne prenant qu'un seul but. Il reste une minute, les gars, et peut-être la dernière situation pour les Lensois. Allez, Frankowski, il va repiquer dans l'axe. Et mauvaise passe, les gars, il cherchait l'opposé. Ça revient quand même malgré tout en Didiouf. Mauvais contrôle, Ismail Assar, et très intelligemment, va obtenir la faute. Bon, les gars, vous risquez de prendre une pub. Je sais pas si le match sera fini, normalement oui. Mais il y a une pub qui va pop, les gars, dans 1 minute 50. Normalement, le match sera fini. Et ensuite, on pourra lancer le petit débrief du match. Sur chaque faute, hein, il gagne quand même 40 secondes, faut être malin. Là, c'est une faute, il doit jamais la faire, Andy Diouf. Tu laisses égrener une minute, quoi. C'est très mal joué. Allez, long ballon de Paul Lopez qui va la mettre au point de corner. Oh le bordel. Récupération de Jordan Veretout. Veretout qui obtient. Qui obtient. Et là, ça va être la fin du match. Coup franc dangereux pour les Olympiens, les gars. Très bien joué de la part de Veretout. Hein. Ah là, la faute est. Elle est évidente. Et vous allez sûrement avoir la pub, malheureusement, putain. Ça sera pas fini. RIP. On se retrouve après la pub, hein, les gars, si c'est encore la pub. Je peux pas la décaler, malheureusement. C'est pour Obama, ça c'est sûr et certain. S'il marque, il baise notre prono à tous ceux qui avons dit deux. Hein. Allez. J'ai frappé, c'est dans le mur. Et c'est la fin du match, les gars. Putain, il a sifflé une fois. GG à l'OM, les gars, qui va chercher cette victoire. On va débriefer ça, les gars. Il y a la pub qui va partir. On va débriefer ça après la pub. En attendant, je vais mettre les points. GG à tous ceux qui avons. Qui avons eu juste, en fait. Hein. Parce que là, on est bon. Bab. 5 points. Albox, 5 points. Nolan, il a dit. Ben Nolan, il a 0 parce qu'il a dit un but pour Marseille, 2 pour Lens. Carolo, il a 1 point parce qu'il a eu le bon. Nombre de buts de l'équipe. Madame Albox est là. Maximum. 5. Et Tony également qui a un point. On est 3 à avoir 5 points, les gars. C'est bon. Allez, la pub, on va attendre la fin de la pub et on va débriefer ça, les gars. Les hommes du match, tout ça. Il y a des choses à dire. Hein. Lance pour moi à louper le coche quand même. Hein. Clairement, on va attendre juste la fin. De la pub. Allez, 30 secondes de pub, les gars. Et là, Marseille resserre tout, le classement. C'est Rennes qui perd gros, hein. Rennes est décroché. Mais là, Lyon-Marseille ont frappé fort. Hein. Et Lens est encore en place, mais ouais, c'est. Ça va être tendu jusqu'au bout. Ça donne le classement des pros. Après, le truc, c'est que tout le monde ne mise pas à chaque fois. Mais toi, par exemple, toi, sur le premier match, tu avais 2 points. Sur le premier match, tu avais 2 points. Sur le deuxième, tu as 3 points. Et là, tu as 1 point.
Moi, j'avais un point sur le premier, un point sur le deuxième, et là, j'ai 5. Qui c'est qui avait... Il y a personne qui a mis à chaque fois, hein, à part nous deux. Là, ouais, c'est le match où il y a eu le plus de bons pronos. Hein. On est 3 à avoir mis 2-1 pour l'OM. Bon, la pub est finie. Ok. Du coup, les mecs, on va débriefer ce match rapidement. Il n'y a pas grand chose à en dire. Mais en vrai de vrai, les gars, Marseille qui remporte ce match. Il y a eu un gros temps fort en deuxième période pour les Lensois, pardon. Malgré l'ouverture du score olympien très très tôt, le match il s'est pas enflammé. Ça a été, il y a eu peu de situations en première période. Il y a eu deux situations, on va dire, de chaque côté. Ça a basculé pour les Marseillais, pas pour les Lensois. Deuxième période, les gars, il y a l'égalisation lensoise après 2-3 changements tactiques qui vient en conclusion d'un gros temps fort. Les gars, il y a quand même eu un gros temps fort côté Lensois sur la deuxième période. Marseille a accepté de subir et a voulu jouer en contre. Avec des changements tactiques clairement pour verrouiller le score, ça a pas payé. Quand Lens revient dans le match, pour moi Lens peut aller chercher la victoire clairement. Lens ils ont un gros temps fort pardon, ils ont clairement pris le dessus sur le match. Ils doivent pour moi faire mieux et aller chercher cette victoire. Et là contre toute attente, énorme erreur de relance de Haïdara qui est clairement fautif sur les deux buts, énorme erreur défensive. Il relance dans l'axe, récupération de Pape Gueye, une de Aubameyang, Filhoche. Magnifique, le but est magnifique. GG à l'OM qui va chercher cette victoire. Comme je dis, sur la deuxième période, ils ont été. Ils ont fait le dos rond, voilà, ils ont subi. Ils étaient en dessous, clairement. Lens, pour moi, sur la deuxième période, a été supérieur. Mais ils ont fait le dos rond, ils ont résisté, ils ont pris qu'un but sur leur temps faible. Et ils ont même pas eu besoin de temps fort pour aller chercher cette victoire au final. Et puis derrière, bah voilà, quand ils mettent le 2-1, à la fin de match, ils la gèrent, voilà, ils la gèrent avec expérience. Hein, ils obtiennent beaucoup de temps. Ils cassent le rythme, hein, ils obtiennent beaucoup de coups francs. Ils sont capables d'être solides défensivement en bloc. Suite au but marseillais, Lens n'a pas eu d'occasion pour espérer égaliser, quoi. Donc GG à l'Olympique de Marseille qui a été. Sans briller, vainqueur de ce match, qui a fait preuve de réalisme, qui a fait preuve de solidité dans le temps faible, qui a été très long, je répète, mais vraiment très long. Si on prend le duel, le fameux duel, les gars, entre les deux attaquants, Aubameyang et Eliwahi, voilà, hein, le duel qu'on a ciblé en début de match, évidemment qui tourne en faveur de Pierre-Emerick Aubameyang, qui est sur les deux buts. Il fait preuve d'intelligence sur le premier, d'expérience. Il anticipe l'erreur du défenseur, il marque, il est passeur intelligemment pour Pape Gueye sur le deuxième, là où Eliwahi a beaucoup été à contre-temps, a manqué de réalisme, il a une occasion où il dribble le gardien, c'est hallucinant qu'il ne finisse pas derrière par un but. Non, clairement, évidemment, Aubameyang a gagné ce duel, il n'y a pas de débat possible. Manque d'expérience, on le voit hein, sur certaines situations d'Eliwahi. Non, clairement... Fromage Aubameyang à côté d'un oui. Pour l'Europe, nous, j'y crois plus beaucoup. Honnêtement, vous auriez gagné ce match, vous auriez été bien. Hein. Là, la défaite, elle fait très très mal. Clairement, là, ça va être compliqué pour vous, je suis totalement d'accord. Si on doit noter, les gars, les top flops du match, donc l'analyse, on vient de la faire, du coup. Honnêtement, côté olympien, on va pas être original, hein, mais les gars, Aubameyang et Pape Gueye, pour moi, ont été énormes au-delà des buts. Aubameyang, les gars, il est sur les deux buts. Il fait parler toute son expérience sur énormément d'actions. Pape Gueye, buteur, mais très important à la récup. Beaucoup de bonnes passes vers l'avant, beaucoup d'interceptions, notamment à la fin. Il va tacler dans la surface pour sauver une balle. Enfin, très très bon match de Pape Gueye. La défense, quand même, a été plutôt solide. Murillo, solide, hein, malgré tout. Gigot Balerdi, sans être extraordinaire, ont été bons. Paul Lopez a été bon. Il a quand même fait 2-3 bons arrêts, quand même. Faut le noter aussi, il a fait son match très bon dans le jeu au pied. Hein. Il y a eu en première période notamment beaucoup de longs ballons dans le dos de Haïdara pour Aubameyang qui ont amené des occasions. Très bon match de Paul Lopez, faut quand même le noter les gars. Sur le but, il n'y peut rien. Franchement, la tête elle est bien placée de la part de Wesley Saïd. Il n'est pas fautif clairement sur le but. Très très bon match aussi du coup de Paul Lopez. Après, ce qui est piston en vrai, Ulysse Garcia-Claus n'ont pas été énormes offensivement, mais défensivement, je les ai quand même trouvés plutôt solides. Même Ulysse Garcia, qui n'est pas un joueur extraordinaire, je trouve, a quand même fait une partition plutôt, plutôt bonne. Après, mais voilà, un gros abattage de Veretout. Harit, qui a beaucoup travaillé aussi. Intéressant dans ce rôle-là, un peu plus bas, mais intéressant dans la récup. Après, voilà, quand il est sorti pour Geoffrey Kondogbia, évidemment,
C'était pour verrouiller le score. Côté Lensois, la défense a été quand même fragile. Hein. Danso Medina, j'ai trouvé correct. Par contre, Aïdara, catastrophique. Je pense qu'on est tous d'accord. Il est sur les deux buts, concrètement. Je crois qu'il fait la passe décisive, malgré tout, sur le but de Wesley Saïd, hein, si je dis pas de bêtises. Mais Aïdara a été fautif, les gars. Sur le premier but, il se trouve totalement sur le duel. Il doit être au contact, il y est pas. Il se trouve, Aubameyang marque. Et l'erreur de relance, elle est grossière. Ton équipe, elle est dans un temps fort. Tu ressors proprement derrière. Tu es pressé. Tu dois pas faire cette passe dans l'axe. Tu dois la balancer ou tu dois jouer plus proprement. T'es dans un temps fort. T'as pas le droit de donner le ballon comme ça. Et pour moi, Aïdara, c'est clairement le flop du match. Les Pistons, Machado, Frankowski. Offensivement, je les ai presque trouvés un peu plus intéressants qu'un Klaus et un Garcia. Après, défensivement, ils n'ont pas été bons. Voilà. Mampaïs-Mendy, pas dégueu au milieu. Hein, ça travaille beaucoup, mais bon, c'est pas non plus extraordinaire. Et devant, Fulgini-Sotoka, on n'a pas beaucoup vu. J'ai pas. Voilà, Fulgini, on sait que c'est un joueur qui a un bon pied. J'ai pas trouvé transcendant du tout. Eli Wahi, franchement, les gars, je veux pas encore m'acharner sur lui, mais je le trouvais pas bon. Clairement, il a souvent été à contre-temps. Beaucoup de déchets. Un peu frêle, un peu fragile sur certaines. Sur beaucoup de situations, même. Voilà. Hein. L'entrée de Wesley Saïd, les gars. Les changements tactiques de Frank Hez, en tout cas, ont payé. Hein, premier ballon dans l'axe de Wesley Saïd. Tête parfaite, décroisée. Chose qu'Eli Wahi n'a pas su faire pendant les 70 minutes, je crois qu'il a joué. Hein, donc, bon. Voilà. Que dire? Non, clairement, si on doit dire des flops, des tops. Moi les gars, flop les gars, c'est clairement Aïdara et Wahi. Je vois pas d'autres. Aïdara, Wahi, ça a été très très compliqué. Et top les gars, Aubameyang était gay. Voilà, je. Là, eux, sur Flash Score, ils mettent Paulo Lopez homme du match. Ouais. Moi, personnellement, les tops, c'est gay et Aubameyang. Toi, ils ont mis une très bonne note aussi à Ndiaye, qui est passeur décisif aussi, faut le noter. Mais non, moi, je retiens gay Aubameyang. Et en flop, clairement Aïdara, Wahi. Hein, je sais pas pour vous quel est l'homme du match. Moi je sais pas en vrai, tu vois. Genre le but, la passe des d'Aubameyang. Après, c'est vrai que dans le temps faible, Aubameyang, on l'a pas beaucoup vu. Sur la deuxième période, Aubameyang, on l'a presque pas vu, hein, vu que Marseille a beaucoup subi. Et j'ai presque envie de dire Pape Gueye en vrai. Hein. J'ai presque envie de dire Pape Gueye. Hein. Pape Gueye a vraiment été bon. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, si vous avez un autre homme du match. Mais non, vraiment. Moi, je pense Pape Gueye. Je pense Pape Gueye, les gars. En tout cas, ouais, victoire importante de l'Olympique de Marseille qui se relance, je l'avais dit. Si Lens perd, ils sont encore en place, c'est pas grave, ils ont les points, ils sont quand même. Enfin, c'est pas grave, si c'est grave, mais ils sont placés, ils ont encore possibilité quand même de se qualifier. Mais si Marseille perdait, ça aurait été beaucoup plus préjudiciable. Parce que Marseille aurait été quand même beaucoup plus décroché au classement. Carrément, ils seraient restés derrière Rennes. La défaite marseillaise était clairement préjudiciable, quoi, s'il y aurait eu une défaite. Là, du coup, c'est Rennes qui perd gros sur cette journée. Et Marseille, du coup, bah, resserre tout. Lens ne perd pas gros parce qu'ils sont encore placés. Mais il laisse Marseille revenir, il laisse Lyon revenir. Ça recolle derrière, quoi. Là, les gros perdants, c'est Rennes. Hein, sur cette journée, les gars, je pense qu'on est d'accord pour le dire. Très clairement et simplement. Voili, voilou. Je pense qu'on a fait le tour. Je sais pas si on peut dire autre chose, les gars. Si quelqu'un a quelque chose à dire, je pense qu'on a fait le tour du débrief. Hein. N'hésitez pas s'il y a des nouveaux, les gars. Je sais pas, je vois que dans le chat, il y a potentiellement des personnes. Si vous n'êtes pas follow, les gars, hein, si vous aimez du contenu comme ça, on parle foot. Je vais en faire 3 la semaine prochaine, les gars. Lundi, mardi, mercredi, on réac 3 matchs. Demain soir, on va réac Barcelone-Valence. Mardi soir, je crois que c'est mardi, c'est Bayern-Real. Et puis mercredi, ce sera PSG-Dortmund. Donc 3 matchs, 3 en 3 jours de réac. Si vous aimez ce contenu-là, les gars, n'hésitez pas à lâcher le follow pour le soutien. Et évidemment, en parallèle, on fera du FIFA. Rassoum, qu'est-ce que c'est de juif fondé? Sur la conscience. Ok, Nodoboc. Pourquoi ce message, Nono? Pourtant, t'as.
Je sais pas qu'Mbappé, j'ai Mbappé, merci, coucou. Mon dernier fut de chambre date de la Tote Serie A, Chandif 4. Ok. Salut à toi, qu'est-ce qui se passe? Ah, désolé, pas fait exprès. C'est un copier-coller? C'est ça? Bon, t'inquiète, hein, on t'en veut pas. On t'en veut pas. Bon, les gars, le live sera dispo en replay. Hein. Je vais le. Comme d'habitude, il sera dispo en replay sur la chaîne YouTube demain, dans la journée. Ça fait plaisir. N'hésitez pas, point d'exclamation YouTube, les gars. Et puis, on va regarder pour faire un petit raid. Je vais vous faire le planning, les gars. Faut que je fasse le planning de stream, du coup. Il y aura beaucoup de stream, les gars, vu que je suis en vacances. Il n'y aura pas le rendez-vous du dimanche soir, semaine pro, parce qu'il n'y a pas de match. Après, il y a un match de Serie A, mais la vérité, je me vois pas commenter de la Serie A, en sachant que c'est un championnat que je regarde pas, quoi. Honnêtement. Ce dimanche prochain, ouais, il y a une grosse affiche en Serie A, en fait, mais pff, personnellement, rompiche. C'était pour un exposé, j'ai pas fait exprès. Il n'y a pas de souci, t'inquiète, Nono. Nos problèmes. Bon. Les gars, je vais vous envoyer chez Poirito qui fait du FIFA. Je rappelle, on fait du FIFA en règle générale ici. Hein. Bon, et merci en tout cas pour ceux qui ont suivi le stream. Merci à vous les gars d'avoir été présents. Je vous envoie chez Poirito. Je vais vous souhaiter une bonne nuit. On se retrouve demain, du coup, il y aura deux streams, les gars. Il y aura deux streams lundi, mardi, mercredi. On va tryhard le début de semaine. Bonne soirée, bonne nuit. Je vous mets le planning dans la soirée. Ciao, ciao, les gars. À demain. Bye bye.